Et bonsoir les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Merci à vous tous d'être là présents pour ce petit live aujourd'hui avec non pas Stervio, car Stervio lui est au salon de l'agriculture. Voilà, donc on sera que avec mon petit Romain Gris ce soir. Je crois qu'Hugo, on verra s'il passe. Peut-être, j'ai pas de nouvelles, donc peut-être qu'il passera aussi. Ouais, mais il y a monsieur Rome qui est là. Oui, bonsoir mon petit Rome. Bonsoir mon Jérém et bonsoir à tous dans le chat. Ravi de vous retrouver. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien depuis lundi soir. Ça va très bien depuis lundi soir, oui, parce qu'on s'est vu sur ta chaîne pour... On ne se quitte plus, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, on s'est vu, oui, c'est vrai que pour un beau petit live d'une BAP, d'ailleurs que je vous ai présenté aussi sur la chaîne secondaire, représenté plus simplement sur la chaîne secondaire. Et merci à vous pour les retours, en tout cas, de la MAP Les Boursins, voilà, pour le créateur ouais, et tout, merci, c'est cool. Ouais. Donc merci à vous, vous tenez à vous remercier aussi. Pour lui, pour Emmanuel et pour tous ceux qui ont travaillé dessus et son équipe, bien évidemment. Donc voilà, la vidéo est sur la chaîne secondaire. Si vous voulez la voir après le live, n'hésitez pas à découvrir cette belle carte. Franchement, elle vaut vraiment, vraiment le coup d'œil. Donc n'hésitez pas après le live à aller la voir. Et tout expliqué pour la date de sortie. Tout est expliqué dans la vidéo. Donc voilà, on va saluer tout le monde. Salut Mathis, pardon. Salut Louis. Salut mon Vincent également. Salut Silver. J'ai les doigts qui puent, les gars, pour tout vous dire. J'avais une punaise. Je sais pas si vous, chez vous aussi il y a des punaises. J'avais une punaise qui était juste là à côté du meuble, là sur le mur blanc. J'ai voulu la prendre sans trop, parce que je sais que ça lâche un petit gaz, vous savez, qui pue là. Et du coup, j'ai voulu la prendre sans la serrer. Voilà, et du coup, bah, elle est tombée par terre. Elle a dû avoir peur. Et du coup, en la ramassant, j'en avais plein les doigts. Voilà, donc c'est super. Et bon, c'est pas grave. Donc voilà, salut à vous tous les amis. Merci mon petit d'être là. Merci, comment vas-tu? Salut à tous ceux qui sont là les gars. Merci d'être présents pour ce petit live du mercredi, donc en compagnie de mon petit Romain Gris. Donc au menu de ce live, pardon. Du coup, j'ai ramené la moissonneuse. T'as vu Rome, on l'avait laissé en fin de live, du coup je l'ai ramené à la maison. J'avoue, je l'ai rangé comme ça. J'ai laissé la barre de coupe là. J'ai dit on s'en occupera, j'avais pas trop le temps de faire plus. Voilà, donc du coup, alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on a attaqué de faire, le chantier, donc on a acheté un godet, enfin une pelle plutôt, pardon, enfin oui, un godet pelle, oui, voilà. un godet, pardon, pour ramasser tout le fumier, parce que le fumier que monsieur Stervio nous a mis partout là, on le ramasse, mais le godet est très petit, il est pas, il est pas gros. Pas très... merci Kebou pour ton sub, merci à toi l'ami, merci, bienvenue à toi, merci. Merci à toi, ouais. Bonne fête, mon Rome. C'est ta fête, Rome ? Ah, bah oui, c'est vrai. Oui, c'est oh, ma fête bah bonne fête, je savais même pas. Tu vois, bonne fête à toi, alors. Bonne merci, fête à toi. Merci. Oui, c'est ça, Romain, le gratuit. Ok. Bah, je savais pas. Bah, bonne fête à tous les Romains et à monsieur Romain Gris, bien évidemment. Donc voilà, donc du coup, on ramasse tout ça. Bon, on a fait ça pendant 10 minutes. On s'est relayé 10 minutes chacun, peut-être, mais on en a enlevé une grosse partie. Il y en avait partout. Mais il en reste encore un peu. Bon, on fera ça petit à petit. Ce sera un peu le fil rouge. Donc, on a déjà bien rempli la petite fumière, hein, j'avoue, du coup. Pourquoi tu réponds jamais sur Insta? Je réponds les gars sur Instagram. Alors, quand je peux, des fois il y a rien à répondre donc je réponds pas. Mais beaucoup de personnes qui sont là, qui sont sur Insta, peuvent vous dire que je réponds un maximum de personnes. Voilà. Donc voilà. Donc au programme de cette vidéo, j'ai acheté. Bah, je vais vous le montrer après en passant. Moi je vais prendre le Fiat Rome, je vais aller vendre les œufs. Petite bande d'œufs, bien évidemment. Je termine là de ramasser juste une petite bande de fumier encore. On part comme ça, ça part. On puisse et passer. Du coup, je te ramènerai le nouveau des chômeurs hein, sur le plateau. Oui. Comme ça évitera d'y aller avec le Fent. Et oula, je pense qu'il y a une belle vente d'œufs à faire. Ouais, une petite vente d'œufs plutôt sympa. Ouais, putain, moi je passe dans le fumier et tout, y a rien qui va. Bonne fête et GG à vous deux. Merci, Moïdi. Oh, merci Moïdi pour tes 20 euros. Gros GG à toi, Moïdi. Bien sûr, bonne fête au Rome, bien évidemment, à mon petit Rome Agri. Voilà, et merci à toi de soutenir la chaîne en tout cas. Merci, Eddy. Comme d'habitude, t'es le boss. Merci à toi. Et puis voilà. Voilà. Terre ne live pas. Non, il ne live pas, il est au salon de l'agriculture, les gars. Et au salon, oui. Alors, je vais pas le redire 50 fois dans le live, je vous le dis. Voilà. Alors, si vous le suivez, je pense que vous êtes au courant. Hein. Si vous le suivez sur les réseaux, Oui. Je pense que vous êtes au courant qu'il a assez dit qu'il y allait aussi. Voilà. Donc, voilà. Si tu avais agréé pour la TS2, si ça t'intéresse. Là, ta chaîne, ça Ok, Jules, pourquoi pas, je te dirai ça, c'est gentil. Merci pour la proposition. Je te redirai ça au cas où. Si pour le moment, je. On en parlait avec Chrome justement de TSE et on se disait que pour le moment
Bon, on n'a pas le temps d'y revenir. Ouais, c'était bien planté, mais ça Mais reviendra voilà, plus mais tard. enfin moi j'ai envie de plus tard, je sais que je pense qu'on aura envie d'y revenir, on y rejouera je pense. Bien sûr, tout à Donc fait. voilà, mais comme il disait, il va regarder Rome si les modes pour les mettre à jour, machin, parce que moi je suis pas allé Oui, il y sur a le des jeu modes depuis à un remettre sacré à moment. jour, il y a plusieurs modes à remettre à jour, Le donc jeu à je regarde mettre à ça. jour et tout et tout, donc Ouais, pour ça, donc c'est à voilà. tête reposée, TS2, donc je Voilà. ferai ça à tête Voilà, reposée, oui, tranquille. tranquillement. De toute façon, c'est pas prévu pour tout de suite. Non. Donc mais quand ce sera prévu, vous inquiétez pas, je vous Ça tiendrai sera mis informé à jour, là-dessus. comme il faut. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, les gars. Demain, par contre, je vais faire un petit live exceptionnel. Je sais qu'il y a Vincent qui live, mais bon, Vincent, tu peux live aussi parce que c'est pas du farming que j'ai. Enfin, voilà. Tu peux live, il n'y aura pas de soucis de ton côté aussi. Hein, je tiens à le dire aussi, Vincent. Je sais que tu live le jeudi, si j'ai pas de bêtises. Mais moi, je vais faire juste un live exceptionnel, les gars, sur MudRunner. MudRunner Expedition, le nouveau jeu qui est pas encore sorti, qui va sortir le 5 mars. Et moi, j'ai autorisation de vous. Enfin, les développeurs m'ont envoyé une clé de jeu pour vous le montrer. J'ai dit, allez, c'est vrai que ça rappelle un peu. J'avais bien aimé SnowRunner au début. On avait fait quelques petits lives et tout, ou vidéos, je sais plus trop, sur Vidéo la live, je série. crois. Sur SnowRunner, j'avais bien kiffé. Là, c'est un nouveau jeu, un peu dans le même style, toujours à peu près le même principe, mais qui a l'air plutôt pas mal. Donc, du coup, demain soir, il y aura un petit live aussi sur MudRunner. Peut-être pas très long, mais voilà. Donc, je tiens à vous dire. Je te contacte par Insta et le jour. Tu voudras me répondre, je le lis. Ok, Jules, pas de soucis. Merci à toi. Et juste aussi pour vous dire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je sais plus. Non, c'est bon. Toujours peur d'oublier des choses, de dire au début de live, tiens, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Dernier, ton petit Mais voilà. épisode qui va sortir demain soir, j'imagine. Oui, aussi, demain soir, les gars, nouvelle pizza. Ouais, genre, plus, ce qui est bien, c'est que le fait de ne pas live le dimanche, j'avoue, ça m'a permis de prendre de l'avance sur mes vidéos. J'avais tourné toutes mes vidéos, ma ferme comtoise et le domaine de barrière le week-end. Et c'est royal après, hein. La semaine ça me fait beaucoup moins courir. Bah, Donc c'est j'avoue vrai c'est pas que ouais, mal. c'est moi la course, j'avoue. Bon ce dimanche normalement je pense live, au cas où, de toute façon je vous tiendrai informé s'il n'y a pas de live le dimanche, mais je te dirai Rome si toutefois je live pas. Oui, Mais tu m'en diras. je te redirai ça. Bon après, enfin vous allez voir, je peux vous en parler parce que l'épisode n'est pas sorti, donc je peux vous dire ce qu'on va faire, mais Ah, mon si j'ai petit gagné. Ewen, mais t'as pas mon Insta, mais si, ça sortira demain soir, mon épisode de la ferme des Roms. Je l'ai décalé parce qu'on l'a tourné, mais j'ai Voilà. pas eu le temps de monter. Ok. Et comme Et j'aime bien voilà. faire les choses carrées dans les montages, je préfère faire un montage correct et voilà. Voilà. Et que vous Ah, l'ayez un pourquoi ça jour marche après. pas ça? Voilà. Et là, pourquoi ça marche pas ce truc? Pourquoi je peux pas prendre la palette là à la main? Ah, mais. Ah. Ah. Là. Eh ben, je vais pas arriver à prendre. Ça marche pas? Ah, Bah c'est si, ok. bizarre parce que Ah, mais tu fais sur c'est quelle touche? Attends, ça c'est. Oh, mais il nous reste une palette d'œufs là, Rome. Alors, je sais pas si elle est à nous Hein? Ah bon? ou à. Pas une palette, mais il reste une barquette dessus. Oh bah Attends, mais si c'est ça quelle part, c'est pour touche? nous, si ça C'est part pas, zéro bah. déjà? Ah oui, c'est zéro pour remettre à zéro la vitesse. C'est ça que je cherchais. Il a le mode speed player, Bastien, mais. Ouais. Mais alors que nous, moi, j'utilise toujours le easy développement. Mais. Hop. Alors, je vends là, j'ai pas regardé si c'est la boulangerie ou le restaurant payé le mieux. Bon, en général, c'est là que ça paye le mieux. Donc. Souvent, c'est le restaurant, j'avoue, ouais, c'est vrai. Alors, il me semble que je suis restaurant. Putain, mais par contre. Ah, mais ça me prend celle de derrière. Ok, d'accord. Pour te répondre, Retro Gaming, moi j'ai une 3070 RTH. Voilà. RTX, pardon. En voiture? Non, En ah non. voiture. Non, carte graphique. Au dernier, j'avais oublié. Ok, bah d'accord, Jules, merci pour. Ah bah c'est bon, ça l'a vendu. Oui, effectivement, c'était bien nous. Ouais. Oh, pardon, madame, allez-y, passez, allez-y. Le charreau. Ah, elle était pas mal gaulée, Ah, hein. il y avait un joli petit lot. Ouais. Hein. Ah, non, non. Revenons Si, nous. si, bon, Ah, nous. j'avoue, sur farming, c'est pas les. Ah, ça a pris le plateau, mais c'est une blague. Et j'arrive pas à détecter les palettes comme il faut. C'est un Ouais. sketch. Non mais ça me Salut, prend le écran, tu plateau. vois. Attends mais. Mais. Ah oui, mais t'es pris avec le mode force, avec le plateau. Mais à chaque fois, ça, c'est maintenant le mode force, il prend les. Mais c'est le mode force Il m'approche. de. Ouais mais c'est le mode force du mode bûcheron, moi je suis pas à l'aise. Ah, c'est le mode bûcheron, Alors oui, c'est vrai. est-ce que ça Ouais, fait ouais. ça? Tu sais avec le double halt là. Si, oui, si, ça Mais le fait. putain mais j'arrive pas. Enfin pardon, désolé pas gros mot les gars, c'est pas bien. Mais Si, j'avoue ça là le fait. ça me prend la tête. Ah voilà. Oui, si tu t'approches trop près du Bon plateau, ça te bah prend désolé, beaucoup. c'est pas du tout réaliste, mais bon j'arrive pas à capter le. Ah J'en si ai si. fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. Voilà. Tu vas faire de l'omelette. Ah ouais, mais l'omelette, les gars, vous le savez, sur cette série-là, c'est de l'omelette. Hein. De Bah oui, l'omelette, voilà, la depuis bonne début, omelette. voilà. C'est un restaurant, donc autant que ça arrive en omelette. Voilà, c'est ça. Ça arrive. Alors, par contre, il y a cette Directement palette-là. dans l'assiette. Voilà, on va la tenir levée pour qu'elle soit vendue. Tu vois, c'est là, c'est du producteur au Alors, consommateur. ça regarde des choses bizarres. C'est ça, Chantal, ouais. Non, bien sûr, on rigole. Hein. Bah oui, on Bien rigole. évidemment. Hein. Bien sûr. Voilà. Allez, bah qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il me regarde? T'as un problème? T'as un problème? Tu veux te battre? Non? Allez, pousse-toi. Allez, go. On ramène tout ça. Et on va s'arrêter, les gars. On va vendre
l'ancien cultivateur et ramener le nouveau sur le plateau. Comme ça, ça évitera de venir parce que j'ai acheté un cultivateur ouais, un petit peu plus large. Voilà. Ouais. Et on a revendu le c'est quoi le Devran, le nom, je crois, c'est ça, non? C'était un... Ouais, je sais plus le nom, ça, mais ouais, on pouvait le, voilà. L'atteler devant et derrière le tracteur. Voilà, c'est ça. Du coup, je l'ai revendu parce que, bon... Je sais plus la marque, mais ouais. Je crois que c'est... Il me semble que c'est Devran. C'est Nicado. Donc, voilà. C'est Nicado. Il y a toujours ce timbre en travers, hein, Rome, là. Toujours? Qui est moitié couché. Ah oui, il est toujours là. Et oui, alors, je sais pas du tout où il sort, cet arbre. Ah bah, celui-là, ouais. Là, j'avoue. Là, c'est la grande question. On saura jamais. Que... Donc là on est à jour là-dessus, je vais peut-être mettre le temps un peu en fois, qu'il avance un peu le temps, non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on passera la nuit, je pense qu'on va quand même oui, passer une nuit. On va passer, je vais peut-être aller en déné, peut-être moi, mon côté ouais, là. Ouais, vas-y, va en déné, bah, au pire je te rejoins après pour presser. Yes. Mais la je presse, elle est chez nous, la presse, elle est où, attends, parce que... Je te laisse le fent ou qu'est-ce que tu veux comme pour presser ouais, peut-être bah, le fent Ouais, si tu veux, après, bah tu veux prendre quoi toi le massé? Bah pour aller en déné, le massé va faire l'affaire, je pense. Ouais, ok, bon bah ça. Bah, attends, mais la presse. Attends, si je sais où est la presse. Non, mais voilà. Voilà, la presse. Voilà, monsieur Stervio. Merci. Voilà. Ah, je vais la dételer parce que je vais lui piquer. Je le ramènerai au pire là. Après, on lui ramènera en fin de live, mais. Oui. Mais... Attends, je vais laisser le godet là, moi. Bon, on aurait pu prendre le classe qui est directement dessus. Non, on va lui laisser le tracteur. Oui, aussi. Mais juste avancer un peu. On va venir la chercher après. L'endéneur qui est juste là. Eh ben, je l'avais pas là. Ah oui, c'est là, d'accord. Allez, go. Non, j'ai dit que je venais chercher. Alors, attends. Ah oui. Oh là, déjà, le. Ouais. Voilà, c'est des... Alors, ça, c'est le semoir qu'on a acheté en commun. Donc, du coup, peut-être qu'on va l'utiliser en live. Ouais, parce qu'on a peut-être qu'il y a une parcelle qui va être bonne à semer derrière. Bah, j'aimerais bien qu'on commence à semer notre maïs pour notre futur ensilage. Il faudrait qu'on place le silo. Bon, là, on est monté à 73 000 euros. C'est pas trop mal. Là, on va monter un tout petit peu plus haut. Je crois que je l'ai acheté pour combien? 18 900, je crois, le nouveau des chômeurs, les gars. Il me semble. On le vend, celui-ci, pour 3 000 euros. Bon, bah, voilà. Bon, bah, c'est tout, c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix, ouais. Tu vas quand au salon? Ah, bah, j'y vais pas du tout, les gars. Ah, désolé, bah, non. Ah, puis le salon, j'avoue, là, cette année, ça m'a pas trop donné envie. Avec toutes les histoires qu'il y a. Enfin, franchement, moi, je trouve un peu. Enfin, je veux bien que. Il faut soutenir les éleveurs. Enfin, là-dessus, bon, ça n'empêche pas le truc, mais. Bah, j'ai trouvé un peu dommage de tout ce bordel, quoi, faut dire ce qui est. Hein. Enfin, moi, perso, ça, c'est un peu dommage. Ça donne pas une bonne image de l'agriculture, malheureusement. C'est... Même si c'est compliqué, même si, bien évidemment, qu'on soutient les éleveurs, bien sûr. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Là, pas les éleveurs et les... Et c'est triste d'en arriver là, moi, je trouve. Voilà, c'est ça, c'est surtout triste d'en arriver là. C'est-à-dire que là, tu vois vraiment la détresse des gens, quoi. C'est ça qui est... Voilà, c'est ça. Malheureux d'arriver à l'affrontement alors que... Il y a des choses qui auraient pu être déjà faites bien avant. C'est quoi, ça. Quoi. C'est ça, ouais. Salut à ceux qui arrivent, les gars. Mais donc, ça donne pas forcément envie de. Non, voilà. D'y aller, quoi. Parce que quand tu vois ça, c'est vrai que c'est. Voilà, c'est triste, un peu quand même. Ouais, j'avoue, c'est vrai que. C'est un des chômeurs Girax, oui. Oui. Oui, oui, oui. Des chômeurs Girax. Allez, c'est parti. Et j'espère qu'au sommet, ce sera pas le. Bon, le sommet, c'est différent. Bon, après, d'ici là, c'est plus au mois d'octobre. On a oui. Voilà. Ouais, non, puis le sommet, c'est une autre ambiance. Bon, et, voilà. C'est différent. C'est une réunion plus familiale, le sommet, on va dire. C'est ça. Et c'est plus. Plus. Familial, oui, comme tu dis, familial, professionnel. Oui, c'est plus familial, voilà. Professionnel. Donc, les gens différent. Sont là, bon enfant, sont là pour prendre du plaisir. Voilà. Exactement. Un moment, quand on te prend pour des cons, ça énerve. Ouais, bah après, c'est sûr, Ewen, après, c'est pas le souci, c'est pas le fait, bien sûr, qu'il faut que ça change, bien évidemment. Non, mais voilà ce que je voulais est-ce dire. Que c'est le c'est lieu malheureux est-ce que là, c'est. Voilà. Bah, oui, voilà, c'est un peu... malheureux d'en arriver sachant là. Sachant qu'il y a des familles, que... sachant qu'il y a des. Enfin. Oh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, là, chacun, mais bien sûr qu'il faut que les choses changent, ça n'empêche pas le fond, bien sûr. Il faut que les choses changent. Mais... C'est les façons de faire, des fois, peut-être, qui vont pas. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'en France, on est obligé d'arriver presque à oui. ce point-là pour se faire entendre. Oui, bah après, ils sont obligés d'en arriver là parce que aussi, les personnes n'écoutent pas en face non plus, bien sûr. Hein, donc voilà. Après, pour ça arrive aux extrêmes. Ça. Ils ne le font pas par plaisir, bien évidemment. Voilà. Donc c'est ça que je regrette un peu en France, c'est que faut toujours arriver aux extrêmes pour commencer à se faire écouter, quoi. Et voilà. Ah, c'est regrettable. Il est tombé. Ah, hop, je vais peut-être réussir. Oh, bah, je l'ai embarqué avec la fourragère, tiens. Ah, mais elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ah, non, mais là, faut lâcher. Oh non, mais comment je l'ai coincé? Mais c'est pas possible. Ah, là, là. Ah, si, c'est bon.
Oh non, mais Improbable. ça arrive qu'à moi, Improbable. ça. Attends, Ça, c'est je vais le improbable. tourner. On va le tourner dans ce sens-là, on va le mettre à l'abri pour le moment. Après, il faudra qu'on ait déchaumé tout ce qu'on a récolté et tout. Hop, allez go. Bonsoir à Salut mon toi, petit Pascal. Pascal, salut mon petit tonton, comment ça va? Comment Oui, tu j'ai vu vas? Wayou, ton message, je te répondrai, mais ouais. J'ai vu passer ton message et ouais, c'est. Je pense que je ferai comme toi. Faire comme moi? Non, comme moi, non, pas comme moi. Non, comme Non. parce que j'avais un problème avec le mode, tu sais, pour vendre, tu sais, il y a des petits appareils pour vendre les œufs, le lait, des Ouais. distributeurs. Ah oui, Tu sais, ok. il y a un mode où t'as une cabane et des distributeurs, et j'avais acheté le distributeur et je pouvais pas le vendre. Ah mais moi c'est ce que j'ai aussi en mode, mes cabanes Et et tout, c'est ça, c'est le même mode. je pouvais pas enlever le carton qui était autour du distributeur. C'était emballé dans une caisse de bois. Ah Et d'accord, ok. j'arrivais pas à enlever la caisse de bois. Impossible d'enlever la caisse de bois. Et en fin de compte, ben, je me suis aperçu, on m'a dit qu'il fallait que j'achète une petite cabane et mettre le distributeur dans la petite cabane pour que ça marche. D'accord. Voilà. Ah c'est tout un... Ouais, alors que je pensais qu'on pouvait acheter que le distributeur simple et le mettre, le placer, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais, je vois, ouais. Et en fin de compte, il faut le mettre dans un petit cabanon. Ok. Voilà. Ah, mais c'est stylé. Moi, Ouais. c'est pas mal, hein, c'est dans l'île. Attends, je vais passer là, je vais Ouais, couper à non, mais droite, là, c'est. Ouais. tiens. Hop là. Donc, voili-voilou. Voili-voilou. Non, mais quand on te regarde, on a l'impression que Stardew t'a donné sa poisse. Ouais, j'avoue, John. Non, non, mais ça le fait, les gars, ça le fait. Voilà, c'est une série plus cool, hein, moins Ouais. réaliste, même si là, on essaye de jouer quand même un minimum, hein, bien Oui, sûr. on joue quand même, oui, bien sûr. Ouais. Quand même. GG, mon Vince. Ah oui, Vincent, merci. J'avais pas vu ton don, Vincent. En plus, j'ai regardé le chat. Merci, mon petit Vincent, pour tes 1 euro. Merci, l'ami. Merci bien. Ouais, c'est Gyrophare, ça lâche trop, là. Les flashs, c'est bien, Ah mais sur le jeu, bah bah, ouais. ça flash quoi, qu'à le dire. Allez, on va prendre la presse pour le coup. Monsieur Stervio dira rien, de toute façon il y verra pas parce qu'on va lui ramener. Ah, il l'a mis, Bah lui, du il l'a mis coup en grande botte, lui, par contre, là, il fait des grosses Ah, il bottes. avait laissé ouais, grosse botte ouais. Ouais, mais après je sais pas trop pour nos rations. Non, mais Tu nous, vois? faut qu'on change la taille, là, par contre, je pense. Yes. Ah, je suis pas en face. Voilà. Faites de la vie intérieure. Voilà, faire de la vie intérieure, les gars, vous inquiétez pas. Il y a de la camelote, hein. C'est pas mal, on aura du Alors, foin. attention, combien là? 1m80, non, on veut des bottes d'1m50, c'est ça. 1m50, oui. Allez, go. Attends, je repars là-bas. Attends, c'est où qu'il faut aller? Non, c'est là-bas. Ouais, parce que si on veut charger ça sur notre petit plateau, ça va pas le faire. Si on prend 1m80, ça va être Ma pour une caméra, elle est galère. bizarre. Comment ça, ma caméra? Hein? Bon. Quelle caméra? Non, ça va, non? Oh non? Non? Occasion, non, y a rien d'occasion, les gars. On y a regardé avant le live, y a pas Regardez, oui. d'un. Rien d'intéressant. Non, ça... Salut, non, Jim. c'est parce que y a moins de lumière, c'est pour ça. C'est pour ça que vous dites Ah, ça, c'est les gars. peut-être que je suis un peu. Attends, fais voir. C'est un petit peu plus Attends, je. ombré, mais c'est Non, mais parce que c'est t'as une peut-être celle Kedai qui que. est peut-être pas Ouais, elle allumée. est moins bien allumée celle-là. Ah, c'est pour ça. Là, peut-être comme ça va un peu mieux là. Ouais, parce que je les touche un petit peu des fois. Je mets un peu moins de lumière quand je joue de mon côté, mais je les allume des fois. Bah Erwan, si tu vois tout flou, mets des lunettes. Voilà. Ça, Non, c'est je le mot qu'on dit à déconne. chaque fois. Mais. Voilà. Mais Non, je change la résolution. ouais, changer la résolution. Ouais. Je sais, il y en a. Moi, il y en a qui voient très net, il y en a qui voient très flou. Ah, c'est ça dépend Voilà. de votre connexion et la résolution. Voilà. Ça, c'est toujours C'est un peu, ouais. un peu C'est un peu délicat, la un peu loterie. compliqué. T'as le message Rome qui s'affiche quoi, non, j'imagine. Oui, je l'ai, Ouais. ouais. Vous n'avez pas accès à ce Bah, vous terrain. aurez le message d'ailleurs, on va vous montrer, mais il y a le message vu qu'Hugo n'est pas là pour nous faire la manip pour les champs. Ouais. Et je sais même pas comment il fait en vrai, parce que moi j'avais essayé, j'y suis pas arrivé. Moi je sais pas non plus, je voulais Comme essayer ça tout se à coule l'heure à les mais chemins ici, vieux. j'ai pas réussi ouais. Donc du coup, bah, on va faire avec le message, tant pis. Hein. C'est pas un gros message non plus. Bon, Non. c'est pas dramatique, hein. Ça empêche Non, pas de. non. Nous, en tout cas, ça nous empêche pas Nous ça de nous empêche pas de jouer, travailler. de Voilà. travailler. Et bon, c'est vrai que ce bug, c'est quand même. C'est chiant. Alors apparemment ça viendrait, comme on m'avait dit une fois, d'un mode de dépendeur à chaud. Ah, ok. Ça Faudrait peut qu'on venir leur. de tout et de rien. Enfin, ça peut venir. Oui. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est les pendeurs à chaud que vous avez là, le couleur alu là, c'est ça qui C'est fait ça qui bugger. fait. Ah, ouais, c'est ça? Ouais, après, je sais pas, on n'a jamais essayé de l'enlever donc. Bah, oui, c'est ça, oui. J'avoue aussi. Moi, Le je le petit fais, chemin, il va pas mal. il carbure. Je sais pas que c'est qu'il a Il fait ce petit carbure. chemin, Oui, il est pas mal le petit chemin mais. Le gars est là. bon, hein. Le gars est pas mauvais. Ah, oui, donc ça met ce message, les gars, vous n'avez pas accès au terrain. Alors, ça marche, oui, hein, désolé, mais. On n'a pas trop le choix de faire avec, malheureusement.
Non, on va Je vais faire mettre en avec, ouais. W. On va faire le déchargement automatique. Non, par contre, à mon avis, la botte qui va sortir, ça va peut-être être une grosse botte, là, 9000 litres. Ah, c'est possible, ouais, comme il en restait ouais, une. Mais après, je me suis remis en 1m50, hein, donc normalement, c'est bon. Ensuite, il faudrait qu'on place le silo, ouais. Oui, placer le silo. Bah, le FEN, c'est à 724, je crois, non? Ou 700, non, 726. 724, je crois. 26, 726, qu'on avait ouais, 26. Non, 726, pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de faire le boulot, quoi. Je suis tranquille, quoi. Petit boulot pour un petit tracteur pour jardiner, ça va pas mal. Exactement. Pour le jardin, c'est parfait. Pour le jardin, c'est parfait. Non, Nadia. Stervio n'est pas en live. Non, Stervio n'est live pas, les gars, il est au salon. J'écris mon message, s'il te plaît. Quand tu installes les poulaillers sur un fin contre toi, je pense à refaire l'entrée des limousines. L'entrée des limousines, fallait que. Ah oui, oui, l'entrée, oui, je vois. Oui, oui, pas de souci, on fera ça. Bah, tu de toute façon. Tu veux faire entrer des limousines dans la ferme? Ah ouais. Ah, l'entrée du vers le portail là où c'est pas très large, ça me l'avait enlevé, je l'avais fait, mais ça me l'avait enlevé quand j'avais remis la parcelle en culture. Ouais, c'est parce que t'as ressemé la parcelle, c'est pour ça. Bah, c'est que j'avais ressemé, mais avec le e-développement. En fait, ah, pour oui. remplacer une culture qui avait pas levé, enfin que c'était le bordel. Ouais, ça t'a refait tout le. Du coup, ça m'a refait tout le. Et ça a refait par-dessus ce que j'avais peint. En fait. Attends, là, je vais aller sur la voie ferrée, j'espère qu'il n'y a pas le train, hein, parce que. Ah, mais on n'avait pas de classe, Eric, dans cette partie. C'est pas chez nous les classes, c'est chez Stervio. Oui. On a du Fendt, du Fiat. Et nous, du Massé. On est chez Ageco. Voilà. On est Massé, Fendt et voilà. C'est ça. NH. NH ACO. Voilà, ACO, pardon. Impeccable. Bon, ça fera quelques bottes de foin en plus. C'est pas mal. Exactement. D'ailleurs, il y en a 4 qui salut, sont mis sur le côté aussi. Il faudra qu'on ramène aussi. Il y en a 4 ouais. qui sont. Oui, qui sont dans la petite parcelle là maintenant. Ouais, ouais, ouais. La petite parcelle près de notre ferme et là au long du chemin aussi, où on est. Ok. Il y en a 4 qui sont sur le ah, mais chemin. Oui, c'est vrai que tu me l'avais dit en plus. Ouais, que j'ai retiré content, comment ça va? Salut à tous. On l'avait oublié. Ouais. Bienvenue à vous tous. Depuis tout à l'heure, Vincent pose la question. Qu'est-ce qu'il dit, Vincent? Petite question. Qu'est-ce qu'il nous dit, Vincent? Ah oui, pardon. Les rouges jumelées servent que pour les semis ou autres? Attends. Les rouges jumelées? Ah, alors les rouges jumelées, oui, on s'en sert beaucoup pour les semis. Et sur le jeu? Oui, au tracteur, quand tu jumelles ton tracteur, par exemple, souvent. Bah oui, oui. Bon, sur le jeu, bon, y a pas trop d'incidence. Hein. À part si t'as le mode, c'est quoi le mode Réa 22, je crois. Ah oui, par c'est contre, les si modes le mode qui il était pas mal ce mode. Mais je crois qu'il faisait bugger, je l'avais enlevé. Alors, oui, dans la vraie vie, oui, c'est intéressant parce que ça évite le tassement. Donc souvent, le tassement, un peu plus de traction. Voilà, combiné de semis, souvent le jumelage arrière. Et dans le jeu, bon, comme dit Jérém, bon, ça a un peu d'influence. Ouais, sur le jeu, ça après, cool. Moi j'aime bien le mettre pour que, apporter plus oui, de. Oui, c'est pareil, je mets. Voilà. Voilà. Mais bon. Et tu peux le mettre aussi en roue fine quand tu fais tes semis de maïs aussi, si tu veux. C'est ça. Salut voilà. Design. Ouais, tu as un nouveau tatouage. Ah oui, ah, celui-là, ouais, c'est un petit moment que j'ai déjà. Ah oui, là, oui, oui. Ouais. Bah, tu l'as depuis le sommet d'élevage ouais. Je l'avais fait quand. Oui, je l'avais déjà au sommet, ouais, c'est un vrai. Un petit peu avant, t'avais fait ça. Non, mais voilà. Oui, un tout petit. Je l'avais fait au mois de septembre, oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Il était tout frais. Bon courage à toi, Laurent. Bon courage, en tout cas. Force à toi, et j'espère que le live. Oui, force à toi, Laurent. Par quel bouillir attaquer? Alors, je vais finir là-bas. Ça permet d'occuper aussi les gens voilà, qui sont un peu coincés, soit à l'hôpital, soit. Voilà, donc c'est cool. Exactement, voilà, ça j'espère passe que ça vous temps, plaît, et c'est le but ça aussi. Ça vous change un peu les idées, donc c'est le but le aussi. Le temps exactement. De 2 heures, les gars, ce soir, 2 heures, on fait. Hein. Voilà, 2 heures, qu'est-ce qu'il me prend? 2 heures de live, c'est pas possible, un soir. Ça va plus, Gifit, ça va plus. Un mercredi soir, 2 heures, qu'est-ce qui se passe? À faire, donc pas trop le temps de passer. Ouais, j'imagine, Design, oui, j'ai bien compris. D'ailleurs, je regarderai tout ça, j'ai pas eu le temps encore, mais plutôt semaine prochaine. Hein, parce que tu m'as envoyé, voilà, donc ça, encore quelque chose de pas trop mal à vous présenter la semaine prochaine. Mais là, il va y en avoir des cartes, hein. Il va y avoir bah des là, super on peut cartes. Temps, là, ouais. Très peu de temps, on va y avoir de la carte. Hein. Avec la carte aussi de Massette d'ailleurs, que oui. Je vous présenterai ah oui. Sûrement aussi un petit peu avant. Que j'aurai sûrement aussi un petit peu avant de ce qu'il m'a dit. C'est vendredi que sort le teaser. Il ouais, il sort le teaser vendredi. Donc, je sais plus comment il m'a dit, mais il y en a où j'écoute dire aussi. Il y en a. C'était sur TikTok que j'ai vu. Que, certains, ouais. Que la map allait sortir la semaine prochaine. Que Bacha. Non, mais les gars. Non. Oh là 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 là. De sources sûres, en plus, il est la semaine prochaine. Ouais. Non, c'est pas, ça m'étonnerait. Hein. Le teaser clair, sort que fin de semaine. C'est bon. Des sources sûres, c'est ça, c'est des sources sûres. Tu vois. Donc voilà, vous l'aurez. Bah après,
Là, les gars, il y aura une map à vous conseiller sur console, ce sera celle-là, hein, et pas une autre. Hein. Merci, Bénédicte. Donc, non, c'est clair. Voilà. Et peut-être celle de oui. aussi design. Et cette aussi, fois-ci, elle sera sur console, cette carte. Cette fois-ci, oui. Voilà. Vous l'aurez sur console. Et celle aussi design, il me semble que design, tu prévois aussi quelque chose de sur console, je crois. Voilà. Moi je sais le mois de sortie. Ah bah si tu sais design c'est parfait. Ah bah écoute. Fécale. Non mais je pense pas qu'elle soit. Ensuite il m'a dit qu'il il m'en parlerait dans pas longtemps. Mais... Oh fait, je pense que ouais pas avant mi-mars je pense. Ah de toute façon il sort son teaser déjà là, c'est pas pour que la map sorte deux jours non. après. Hein. Non non c'est clair. Bah je vais prendre la fourche. Allez où ouais. la petite fourche On commence à rentrer le foin. Ouais. La fourche, mais par contre, où est-ce qu'on l'a mis la fourche? Eh ben elle est sur le tracteur. Ah, mais non, j'avais le godet, mais Ah, mais la fourche, oui, il est sur le. Regarde, c'est moi qui l'ai posé. Sur le. Allez. Mince, le. Il y a une petite cuve. Une petite cuve à eau devant le bâtiment. Devant le bâtiment des. Où il y a le foin et tout. Okay, et je l'ai posé dessus. Ok. Je savais pas où la foutre, c'est tout à l'heure que j'ai fait ça. Ah, j'ai vu, ok. Mince. Et j'ai vu, elle est pas mal sur la petite queue. Bah ouais, je me dis, où est-ce que je vais la mettre pour pas qu'on la perde? Bah voilà, je l'avais pas du coup, vu, parce qu'elle se marie avec les couleurs de la cuve aussi. Il y a ah un bah peu c'est de pour bouge, ça, ouais. De... Allez, hop. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'était pour... Oui, demain, les gars, nouvelle vidéo au domaine de barrière avec le choix. Et c'est vous qui allez choisir le nouveau tracteur. Ah oh attends, faut pas que la patte tombe là. C'est vous qui allez choisir, là, il y a deux choix de tracteurs. Et j'ai hâte que vous voyez les choix des tracteurs. Deux choix un peu différents, deux époques différentes. Et c'est vous qui allez choisir, comme ça, il n'y aura pas de débat possible. Il n'y aura pas de. Ouais, t'as tué ta série, t'as tué ta série. Ah bah. Non, voilà, c'est juste. C'est vous qui allez choisir, ah, ça vous fait participer, donc c'est cool. Après, il y aura forcément des déçus. Quand et des heureux. Tu as tué ta série. Oh là là, il a flingué sa série. Oh là 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 là. Mais c'est foutu, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, on est foutu. Ça y est. Non, mais c'est alors que dingue. La série plaît plus qu'avant. Bon, ça, et largement en plus. Bah oui, oui, non, mais je le savais. Ouais, oui. Et ça a pas dénaturé la série complètement. J'ai changé un peu, comme tout. Je l'ai dit. J'ai changé au final, un tout ça petit a peu voilà, la version principale. La version de. Ah, voilà. Parce que des fois, on fait pas toujours des choix bons. Bien voilà. sûr. On adapte un petit peu et voilà. Exactement, faut toujours adapter, faut toujours réadapter les situations. Exactement, voilà. Merci, on est quasiment 400, merci à vous. Ouais, GG. Ouais, c'est ta série, en même temps, tu fais comme tu souhaites. Bah oui, ça aussi. Et puis bon, après, et puis de voir avec vous aussi, c'est important, malgré tout, j'aime bien voir vos avis. Bien sûr. Ok, donc voilà. Vos avis seront toujours importants. Voilà. Exactement. On prendra toujours considération. Alors. Il reste un mandat à faire. Ça va nous chier la botte impeccable. Comme ça, on aura une poêle, une botte. On aura quasiment pressé. Juste là. Au pire, Landin qui est là, Rome. Est-ce que je le laisserai pas? Vu que là, ça va pas me faire la botte de toute façon. Ah oui, ouais. J'ai on pas le. Bizarre, hein. Sur le jeu, on s'en fout. Enfin, sur le. On n'a pas le mode saison, on a rien. Donc au pire, non, j'ai non, pas non, pour peut, le garder quoi. Rien faire. Ouais, ouais. Comme ça, non, on... voilà. Bon, j'avoue, je lui rends la presse. Bon, il avait pas grand chose dans la presse quand je lui ai piqué, je crois. Pas. La cour de ferme, Valentin va changer. Voilà, j'ai une petite idée pour faire l'entrée de la ferme. L'entrée ici L'entrée de notre ferme. Ah, ouais. Attends, bah, je prends pas le bon chemin. Oui, il y avait le fumier, j'ai une petite idée de faire un truc. Bah, je te fais confiance. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Au pire, en fin de live, on peut peut-être y regarder ça, tiens. Mm. Bon, ça peut être pas mal pour essayer de. Non, regarde. Ouais, regarde, on va faire ça, tiens, en fin de live, on va débroussailler un peu tout ça, là. La presse fait du... pas du deux roues, mais du une roue. Ah non, et attends, faut que j'aille presser. Attends, il y a ailleurs à aller presser. Il y a la paille qui est tout en haut. Ah, la paille, oui. Wow. Oui. Bon bah, j'y vais, j'attaque. Je vais presser là-bas. On va faire un peu de route, les gars. Je vais pas les gyros parce que... Oh, les gyros, moi, ça m'éclate les yeux dans le studio, en vrai. C'est abusé. Ouais, puis il est juste sur le coin, donc tu dois l'avoir dans l'œil. Ouais, il est sur le coin, j'ai la moitié dans l'œil. Ouais. Ça va, Doudou? Tu te réveilles, Doudou? Ah, un petit Néo sauvage. Comment ça va, Doudou? Il a fait sa sieste. Ah, Néo, il fait sa sieste, voilà. Bon, là, il va aller dormir dans le salon. Maintenant, il reste un petit peu avec moi. Ouais. Après, puis quand je le saoule trop à parler, bah, il va. il va dans le salon. C'est ça, hein? Voilà. Eh oui, mon Doudou. Un petit Netflix.
Voilà, il se met là, il se met un petit Netflix, il se met bien. Voilà. Ah, c'est ça, Nounou. Je suis sûr que tu fais ça quand je suis pas là en plus dans la maison. Imagine le chien, il se met tranquille, au calme. Tu te rappelles pas les photos que je t'avais envoyées, le toit? Ah oui, bah voilà, bah c'est ça. Hein? C'est ça, mais il y en a, ils s'amusent trop. C'est con que Léo, il supporte rien. Je peux pas le. Je peux pas lui faire faire des trucs comme ça, il supporterait pas, il tiendrait pas en place. Ah ouais, non, mais moi, je rêverais de faire des trucs comme ça, des TikTok. Mais il y en a, ils se font. Putain, faut voir comment ça marche de fou. Mais en plus, il pourrait, parce qu'il est beau comme tout. En plus, maintenant que t'as un TikTok, tu pourrais le faire, toi. Bah ouais, ouais. Mais je voulais mettre un TikTok l'autre fois, quand j'avais été à la neige. Ouais. Sauf qu'il n'y avait pas de neige. Pas très peu de neige. Donc, du coup, je m'étais dit au début, tiens, ce serait peut-être un petit TikTok avec Néo dans la neige, ça peut être sympa et tout. Ouais. Et puis au final, il n'y avait pas de neige. Enfin, il y avait très très peu de neige. Donc, du coup, j'ai dit, on va rien faire du tout parce que ça va ressembler à rien. Tu vois les trucs des influenceurs, enfin, tu sais, ceux qui font ça propre et tout, c'est magnifique et tout. Alors, moi, ça aurait été dégueulasse. Donc, non. Donc, je suis à la neige, mais il n'y a pas de neige. Mais il n'y a pas de neige. Voilà. Salut, Cass Farmer. Salut. Salut, Cass. Zufio. Bonjour à Néo. Merci pour lui, les gars. Néo le boss. Merci Chantal. Ah, je sais pas si c'est le boss. On l'aime quand même. Le boss de la croquette. Ah oui, ça. Ça, il bouffe. C'est que ça, acheter des croquettes tout le temps. J'ai mon vieux, tu vas travailler pour aller les acheter, des croquettes. Hein. C'est clair. Hein. Ça commence à bien faire. Il est en âge maintenant. Salut Romain, comment ça va? Ah oui, il est en âge de travailler, il va bosser. Salut Romain. Il va faire comme tout le monde, s'il veut gagner sa croûte. Il va bosser. On est haut. Voilà. Et moi, on va faire l'inverse. Moi, c'est lui qui va bosser, puis moi, je vais rester à la maison, à jouer, à farming, prendre le canapé, voilà. Bon, j'avoue, je m'ennuierais très vite hein, si je faisais ça. Mais... Ouais, c'est clair. Moi, je suis pas du tout comme ça. Faut que ça reste un jeu où tu viennes prendre du plaisir, de la détente, tu vois, et pas forcer le truc. Ah non, faut surtout pas forcer. Ouais. Moi sur farming, j'avoue, j'ai jamais forcé. Attends, je peux passer par là. Franchement, j'ai jamais. Alors, si, il y a eu des fois. En fait, il y a eu des fois des séries, comme la série de l'époque, c'était sur la map, la campagne en juin que j'avais fait au rythme des saisons. Je crois que c'était la série. Celle-là, j'avoue, à un moment donné, je me suis forcé, mais c'est pour ça que j'ai arrêté parce que. Parce que ça se voyait trop et moi, ça me plaisait plus. Du coup, j'ai vite arrêté la série et voilà, parce que j'allais pas faire. Non, mais quand tu te sens plus bien sur une série ou que tu t'as pas le truc, ça sert à rien de continuer. Bonne fête à Rome, merci pour lui. Merci, ouais, et merci, bonne fête aussi aux Romains qui sont dans le chat. Voilà. Et à Romain Casa, bien évidemment, on comprend ça lui, je sais pas s'il passera. Mais... Bon, je suis peut-être aussi, je pense. Ok, Chantal, c'est cool. Fais calme. Bon, ça m'est toujours j'ai pas que ça au terrain, les gars, mais ça marche. Hein, voilà. Tu repars. Oui, du moment que ça marche. Voilà. Désolé pour le message, mais. On ne peut pas y faire grand chose. Les gars, on est 410, il y a que 229 pouces bleus. Je compte sur vous pour mettre un petit like. Oui. Ah, bordel de Dieu, mettez-moi un petit like là. Comme... Ah, merci à vous, petit gars. Merci d'être là. Et c'est cool de voir du monde comme ça. Bon, après, bien sûr, Bastien n'est pas là. Donc, forcément, il y en a peut-être qui viennent aussi voir la série. Qui n'ont pas l'habitude de venir sur la chaîne. Bienvenue à vous tous. Voilà. Dans cette belle map Castelnau. Exact. C'est vrai qu'il y a une map, c'est ce que je disais avec Rome. Bon, il achète les terrains, mais ça marche pas, les gars. Enfin, ça c'est mon blé qui est par terre là, tiens. Ouais. On a essayé, mais on n'arrive pas. Il n'y a pas moyen, ça ne marche pas. Il y a le bug et je sais pas la manip que fait Hugo pour. Alors, c'est pour ça qu'on voulait avoir Hugo, mais on n'a pas de. Mais on n'a pas Hugo, donc du coup. S'il passe, je sais pas s'il passera. Bref, il passe sur la partie aussi. Hein. Mais bon, on va pas le déranger non plus, c'est pas très grave. On va se débrouiller autrement, ça le fait. Bien sûr. Alors c'est bizarre parce que pour ramasser les bottes, j'ai pas ce message moi. Ah non mais quand ça tu ramasses... Non ça le fait que quand tu travailles le sol, tu travailles... Voilà. Ouais voilà quand tu... Mais ramasser les bottes, les bottes elles sont hors du terrain, je sais pas c'est pas comme les gens... C'est pas lié au sol, donc du coup tu les ramasses... Oui, c'est un produit indépendant on va dire. Voilà, une fois que c'est pressé, c'est au-dessus du sol et du coup ça détecte plus, elles sont à toi. Mais voilà. C'est vraiment lié quand c'est au sol. Moissonner, déchaumer, voilà. Ou épandre quelque chose, tu vois. D'ailleurs, les gars, en parlant d'épandage, demain, dans l'épisode de demain, on va épandre aussi du premier apport que j'ai bien passé le temps. Vous verrez, j'ai fait également tout mon bois de chauffage. Tout ça, c'est fini, c'est torché, on n'en parle plus. Le bois, voilà.
Voilà, ça on en parlera plus. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et je sais plus. Je sais plus. Si, oui, et bah oui, du coup. Et voilà, donc du coup, j'ai bien avancé. On se retrouvera l'année prochaine. Donc demain dans le jeu, vous allez voir, on va passer au mois de janvier. Voilà. Parce que l'année prochaine, c'est... Voilà, bon, bon, on se retrouve l'année prochaine pour la série. Voilà, on se retrouve l'année prochaine. J'aurais dit ça un 31 décembre. J'aurais dit oui, il y aurait pas de tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, non, ça aurait été un peu loin quand même. Mais, dans la série, les gars. Dans la série, bien sûr. Et du coup, bah, vous verrez, on va attaquer nos épandages. C'est vraiment ultra stylé. Enfin, j'aime beaucoup. L'activité qu'on fait demain, c'est simple, mais je kiffe. Donc vous verrez, je pense que vous aussi ça va vous plaire. Premiers apports d'engrais, tout avec les passages de traitement et tout avec le classe et tout, l'épandage, vous verrez. Moi j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est pas grand chose. On prend également la benne de la place pour aller chercher l'engrais. Voilà, c'est que du kiff. Moi j'aime bien. Alors Alain, pour te répondre, je t'invite à aller voir donc la vidéo de présentation de la map de Jerem de tout à l'heure. Et je t'invite à aller aussi checker le live de lundi soir. Tu voilà. Le live d'ailleurs, il est dans en lien sur ma, dans le descriptif. Ouais. Oui, les vous gars, avez le lien pour soutenir le. Vous avez un descriptif en dessous de chaque vidéo. Faut vous en servir. Il y a vraiment plein d'informations. Il y a souvent tout dedans. Et souvent, il y a les liens qui ramènent justement, comme là, le live ou d'autres descriptifs qui peuvent justement vous apporter des réponses. Voilà, c'est important les descriptifs. C'est ça. Bah, du coup, vous avez le lien. Alors, pour vous expliquer vite fait, pour aussi parler un peu de la team à Emmanuel aussi, puis pour vous expliquer un petit peu le principe. La map, elle sort le 2 mars, si j'ai bien compris, de ce qu'il m'avait dit. Il m'a envoyé un message, Rome. Tu peux confirmer, il me semble que c'est ça. Le 2 mars. Pour les gens qui. Mais pour les gens. Voilà. Les donateurs, voilà, sur son Facebook. Pour les donateurs sur son Facebook. Donc, si jamais la carte vous plaît beaucoup et que vous pouvez pas attendre, et même un petit don, c'est pas sans parler de donner 20 euros. Après, oui. Ceux qui le font, tant mieux, c'est cool. Et c'est gentil pour eux. Voilà. C'est vraiment, c'est top pour l'équipe et tout. Et voilà. Mais même un petit don pour ceux qui n'ont pas des gros moyens, même un petit don, et vous permettrait d'avoir la carte 3 semaines avant tout le monde. Parce que la map sortira, je crois, le 22 mars ou 20 mars. Normalement, ça doit être entre le 20 et le 22. Voilà. Le 20 et le 22 sur sa page Facebook. Il m'a dit 2-3 jours après sur King Mode, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Voilà, et donc du coup, vous aurez la carte très très rapidement si vous soutenez le créateur. Et voilà, mais sinon, il faudra attendre. Après, ceux qui ne veulent pas soutenir, vous l'aurez quelques temps après. C'est pas la fin du monde non plus. Oh, bien sûr. Voilà, c'est pas comme si vous l'avez dans 6 mois après. Je veux dire, c'est que quelques semaines à attendre. C'est pas la fin du monde non plus. Mais voilà, donc c'est le principe un peu de cette carte là. Mais franchement, moi, la carte, j'ai vraiment été. Parce que je l'ai déjà présenté une première fois, bon, on me l'a rappelé d'ailleurs en commentaire. on en parlait avec Chrome juste avant. Bref. Mais bon, c'est toujours le même. Donc, je l'ai repéré, ce gars. Je l'ai repéré et lui, il a passé un sale quart d'heure. Non, mais voilà. Non, enfin bon, c'est encore un. Voilà, bref. Encore un intelligent, voilà. Qui me dit bravo, le gars, il présente deux fois la même carte, bravo. Surtout que je le dis dans la vidéo en plus, que c'est fait. Enfin, je l'ai déjà présenté une première fois. Et que là, vu qu'elle va ressortir en DL, je la représente aussi pour. Moi, j'avais pas tous les bâtiments, elle a été retravaillée. En plus, donc, elle a été retravaillée. C'était une version finale que tu as présentée. Voilà. La version que tu as présentée avant, c'était déjà une première version, un premier jet. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il y en a, voilà. Et en plus, il me met à la fin. On va vous dire dans le commentaire, c'est pas mal. Ouais. Mais vivement que ta chaîne elle ferme. Ok. Bon, moi j'ai répondu gentiment, on peut vous dire, mais j'ai répondu gentiment sans. Voilà. Ouais. De toute façon, vous le verrez, c'est en commentaire. Hein. J'ai juste mis. Et c'est comme ta bouche, vivement qu'elle ferme. J'ai mis entre parenthèses en restant poli. Voilà. Parce que on n'est pas là pour non plus, faut rester quand même correct. Voilà, pour montrer qu'on est plus intelligent, mais. Mais il y a des fois quand tu vois le commentaire, tu dis, mais ça rend fou. Moi ça me rend fou maintenant. C'est clair, mais bien sûr, mais oui. Mais bon, faut pas y faire attention, bon, ça va pas m'empêcher de dormir, mais les gens, maintenant, c'est agaçant quand même quand tu dis ça. Après, dans ce cas-là, si vous aimez pas, vous venez pas, voilà, moi j'ai toujours dit ça. Bah c'est ça, oui, voilà, c'est pas, voilà, mais en plus le gars, il est gentil, ça me fait une vue en plus, il est gentil. Mais oui, en plus, c'est ça. Et donc, au pire, viens, c'est pas grave, ça me fait une vue en plus, donc voilà, c'est toujours pas grave. Si vous aimez pas, ne venez pas, c'est tout. Mais bon, non, mais c'est pour dire, voilà. Mais c'est comme tout maintenant, tous les gens critiquent trop facilement. C'est comme ça me fait penser d'ailleurs au match de l'équipe de France de rugby ce week-end qui était très médiocre, il faut le dire, et qui était malheureux. Ils se sont fait insulter
Il y en a, les joueurs, enfin tout, enfin le staff. Moi j'ai trouvé ça plus que limite. Et genre, ça n'a pas lieu d'être. Ça reste un match de rugby, on n'a pas été bon, c'est pas la fin voilà, du monde. Ça reste du sport, exactement. Et ouais. Voilà, mais il y en a, et ils croient mieux faire, on faudrait les mettre sur le terrain, peut-être qu'ils arriveraient à mieux faire que les autres. Quand je vois ça, moi ça me. Et pareil avec l'ASM aussi, d'ailleurs, l'ASM a perdu contre Toulouse. Pareil, il y a des joueurs qui se sont fait insulter sur les réseaux, apparemment, je n'ai pas trouvé, mais bref. Et c'est pareil, c'est, voilà. C'est dingue. Ça n'a pas lieu d'être. Salut mon petit Geoffrey, comment ça va l'ami? Salut Geoffrey. Salut, salut. Comment vas-tu? Donc voilà. Mais bon, même si vous voyez comme la future map de Quentin de Massette, j'arrive pas à le dire par contre. Pélénier. C'est ça, hein, j'ai du mal à le dire. Pélénier, voilà, je crois que c'est ça. Même si la map sera sûrement parfaite, elle sera sur console, elle aura pas de défaut sur le papier, elle sera sur console, elle va être de très bonne qualité, il y a des textures qui ont été ajoutées, encore une fois des nouvelles textures, elle sera incroyable la map. Mais je suis sûr qu'il y en a une grosse partie qui vont se permettre de la critiquer, de dire qu'elle est... Voilà. Mais bon. Salut Franchou, salut Wallus. Heureusement, salut Franchou, salut mon Wallus. Salut David. Bienvenue à vous tous les gars. Non mais là c'est vrai que ça rend fou tout ça. Mais bon bref. Non mais c'était voilà, en plus la vidéo était sortie, c'était quoi? En plus c'est genre quoi 2 minutes après, genre que le gars a même pas pris le temps d'écouter la vidéo. Encore une fois, c'est un des premiers commentaires je crois. Oui bah c'est clair, non mais oui. Et le gars présente toujours les mêmes, j'imagine derrière son clavier, mais le gars il présente toujours les mêmes, il a représenté 2 fois la même carte, et il sait plus ce qu'il fait, et voilà, vivement que sa chaîne elle ferme. Non mais. D'ailleurs, j'ai pas baissé mon pick-up. J'ai oublié de baisser le pick-up. Allez, attends pour rien. C'est parti, mon kiki. GG à toi, KO. Oh, merci, KO. À vous. Ah ben, à toi aussi. À vous. Merci, KO. Merci pour tes 2,50€ et merci pour le soutien. Merci, l'ami. J'espère que le live te plaît. Et des petits j'aime, bien évidemment, sur les dons, les gars. Je compte sur vous. On compte sur vous là-dessus. Qu'ils soient petits ou gros, il faut des petits j'aime pour récompenser. Mais pourquoi je baisse ce foutu pick-up? Pourquoi je le lève plutôt? À chaque fois, je me refais 2 fois la même là. Oh, mais je crois que je sais pas jouer au jeu. Je sais pas jouer au jeu, je crois. Oh, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais pas jouer au jeu. Comme j'ai eu aussi en commentaire. Ah, oui, c'est pour ça que je dis ça. Des fois, je crois que c'est peut-être la même personne d'ailleurs qui m'avait dit ça. Il ne sait pas jouer au jeu. Voilà, c'est inadmissible. Ouais, mais je crois que je sais pas jouer. Il va falloir Je sais pas. Peut-être que j'arrête. C'est pour ça que tu passes sur un autre jeu d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs demain, belle transition, demain, ça me permet d'en reparler. Voilà, demain soir, du coup, petit live les gars sur le nouveau Mud Runner Expédition. Voilà, découverte du jeu demain. Il n'est pas encore sorti, sort le 5 mars pour vous sur console. Donc ça c'est bien. Ils sont sur console. Oh, sur console. Oui. Bah, alors console next gen, il sort pas sur PS4 je crois. Ah, oh mince. Mais bon, il sort sur les PS5, Xbox Series X je crois. C'est ça les nouvelles chez Xbox. Et du coup, et PC bien sûr. Et ça sort le 5 mars, du coup, j'ai eu des développeurs qui m'ont envoyé une petite clé. Donc j'ai dit, allez, on va l'installer, puis on va faire un petit live pour découvrir tout ça. Juste un live, on va pas faire un truc. Voilà, ça reste. C'est pas mon fond une de. Carrière suivie. Non, bah après, si le jeu est bien, on verra pour refaire d'autres lives. Si on se prend au jeu et tout, on verra. Hein. Mais voilà, je dis pas par contre que ça va être le cas, j'en sais rien. Mais bon. Voilà, donc demain soir sur la chaîne secondaire, un petit live, voilà, exceptionnellement le jeudi, là-dessus. Bon, je me suis dit, tiens, allez. Parce que je sais pas trop quand le caler et tout. Et bah vendredi, du coup, je verrai vendredi soir, vu que tu live pas Rome, si on fait ma pomme pontoise vendredi ou pas. Sinon, ce sera samedi matin. Je verrai du coup. Comme tu veux, bon, Jérém, je t'ai dit, vendredi soir, je pourrais pas liver, mais. Si tu veux écoute, je verrai ça. Le samedi. Si je fais rien, ça m'arrangerait, parce que le samedi matin, des fois. Et des fois, je suis pas motivé. Et... Alors, je l'avais promis à quelqu'un. Alors, je fais une petite dédie à Erwan. Voilà, comme ça, il sera content. Dédie Erwan. Voilà. Il sera content. Attends, c'est là qu'il faut tourner. Je crois que j'ai de la paille à presser. On va y aller voir, les gars. Mais il me semble que j'ai de la paille à presser ici. Hein. On va y aller. T'arrives à ramasser les bottes, Rome? Tu veux que je prenne ta place? Non, je finis mon plateau. Là, le champ est ramassé. Ah, bah, impeccable. Et j'ai encore 3 bottes à ramasser. Puis je ramène ça au. Parfait. Attends, j'ai un doute. Je vais là-bas, les gars, mais j'ai un doute. Après, si tu veux, on pourra passer la nuit peut-être. Oui. Salut Julien. Salut Julien. Ah, on y avait tout pressé là, mince. Moi je suis venu pour. Ah, bah oui, il y a des bottes à ramasser là aussi. Bon, on fera une pierre de coups. Ouais. Est-ce qu'on met tout en maïs? On met peut-être pas tout en maïs, si.
Une grande parcelle au moins. Ouais. Sachant que. Bah, il faut qu'on mette, de toute façon, on va mettre la parcelle, la nouvelle que j'ai achetée. On a une 50, oui, la nouvelle. On va mettre les deux nouvelles aussi où il y a le soja, tu sais, que t'as ramassé. Oui, ouais, bah on a qu'à mettre ces deux-là déjà. Ces deux-là, ouais. On va déjà voir. Je pense que ça fera déjà pas mal, je pense déjà. Ouais. Je pense en silage. Après, voilà, on a 50 bêtes, donc. Oui. Ouais, on va faire comme ça. On verra après si on ragrandit ou pas, après le parcellaire en maïs, si on a plus de bêtes, mais si, pour l'instant, pour le moment, je pense qu'on sera pas mal. On va regarder pour placer le silo. Ben ça, au pire, on le fera en fin de live, ça. Oui. On se garde une demi-heure en fin de live, les gars, pour faire de la déco et... Je sais pas ce que t'en penses. Ça te va ? Oui, oui. Ah bien. Voilà. On fait ça comme ça. Hop. Dédicace à moi, amour, s'il te plaît. Hein ? À mon amour ? C'est Erwan qui, c'est Erwan que tu faisais une dédicace, Rob. Bah j'ai fait, oui, Erwan, je suis... Non, c'était Erwan... Parce qu'il y en a plusieurs, Erwan, dans le chat. Ah, il y en a plusieurs, d'accord. Non, c'était Erwan Payusson. Ah, d'accord, c'était pas... Dédicace à voilà, moi, amour, s'il te plaît. Peut-être qu'il parlait, je sais pas. Ou à toi, je sais pas. Ouais, le retour de force, il me semble que oui. Bah, on verra demain, Jules, hein. On regardera... Salut, Passion, comment vas-tu? Le nouveau mode runner, oui, je l'ai testé et on en... Enfin, j'ai testé, j'ai fait... Alors, les gars, faut que je vous raconte. Non, mais ça arrive qu'à moi. J'ai testé. Bon, j'ai fait une première un truc d'initiation, donc j'ai pour prendre les commandes. Par contre, les commandes, les gars, ça a l'air beaucoup plus intuitif que sur le SnowRunner et tout. Ah, vraiment. Enfin, pour moi, j'ai trouvé plus intuitif. Et, bah, alors, je fais ma première mission pour aller implanter une antenne, je sais pas où, enfin, bref. Et j'ai fait quoi? J'ai fait trois étapes dans la mission. Et après, je sais pas. Bah, en fait, ça me demandait d'ailleurs, parce que tu peux prendre voler en drone et tout, c'est pas mal. Sauf que moi, j'ai pas compris. Ça me disait de voler en drone en haut de la falaise. Sauf que moi, je suis monté avec le machin en haut de la falaise. J'ai pas compris que c'était au drone d'y aller. Et en fait, du coup, et après, moi, je dis, bon, je suis monté en haut, pas de soucis. Et au moment de repartir, le haut de la falaise, bon, c'était pas très haut, mais c'est vraiment pas large en fait, la surface. Et je fais mon demi-tour et tout, puis j'accélère, puis après, je croyais être reparti en automatique. Et j'étais toujours en marche arrière, donc j'appuie à fond dans l'accélérateur, je recule, je tombe de la falaise, mais je tombe, mais en fait si tu veux, il y a des cailloux, en fait ça, le cul du camion était en l'air, donc les roues arrière touchaient pas, et j'avais sur un autre caillou le devant du camion qui était surélevé, les roues avant touchaient pas. Il n'y avait aucune roue qui touchait. Du coup j'ai dû recommencer. Ah bah, impossible de bouger, j'ai fait dans tous les sens. Il me semblait. Pourquoi j'ai ramené la presse? Du coup, j'aurais dû trop la laisser à Stervio. Bon, c'est pas grave, on la ramènera plus tard. Oui, on la ramènera plus tard. Ouais. Voilà, ou la semaine prochaine. Oui. Et donc, du coup, mais j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible. Je croyais que sur le jeu, on pouvait pas être bloqué. Au final, si. Du coup, voilà, c'est la petite anecdote. J'ai recommencé, puisque j'étais tanké, puis j'ai beau faire ce que je voulais. Non, t'étais bloqué. Enfin, bref, voilà. Voilà. Merci, Kao, encore pour tes deux mots. Ouais, GG à toi aussi, l'ami. Merci. Achète un plus grand plateau. Ouais, on verra peut-être pour le changer, prendre un plateau à Dolly. Ouais, c'est un peu chanceux. T'arrives du coup impeccable, il arrive pile poil. Je passe la nuit. Oh là, ça se coule. Jolly jumper. Ah, mais c'est marrant parce que t'as sanglé, mais les sangles, elles sont. Moi, je les vois dessous. Ah ? Tu les vois sur le plateau, toi ? Oui. Ah, moi, je les vois dessous. Regarde sur le live, si tu as le retour du live. Alors attends, je regarde. Ah bah oui, alors disons, c'est fou ça. C'est non, elles sont bien sanglées. Eh, bonsoir mon frérot, et bonne fête à toi. Ah, bonne fête mon petit Rome Casa, j'ai même pas vu. Merci mon petit Rome d'être là, et bonne fête, voilà, ami. Bonne fête. J'espère que tu vas bien. Ok, bon là on est bon. Allez, on passe... Vas-y, passe la nuit, et puis on va redémarrer une journée comme ça. Attends, faut que j'aille au lit, le lit est là. Voilà, on va se lever à 7h. Par contre, à mon avis, les vaches... Ouais. Alors attends, oui. Voilà. Les vaches, elles ont plus rien à bouffer encore, je crois. Les vaches, ça fait... Oh, les vaches, c'est dingue, ça. Bah attends, on a du foin, mais... T'en as pensé quoi? Bah, ils sont pas trop mal, Passion. Ouais, je trouve que le jeu est très beau, hein. Et il était ultra fluide, j'ai pas eu de... Bon, après, le jeu s'est mis automatiquement, je pense, en termes de réglage de graphisme et tout, donc par rapport à mon PC. Mais très très beau et plutôt sympa. C'est pour ça en fait j'ai testé.
Je leur ai dit oui, je ferai un truc. J'ai dit attends, je vais quand même le tester, voir si ça me plaît et tout. Et ça a l'air plutôt pas mal. Donc, on va voir pour faire. C'est un petit kiff et jouer un peu sur le jeu demain en live. Voilà, pour changer un petit peu aussi. Ok, bon, bah ça en est bon. Il y aura de la paille à aller chercher. Je pense, Rome, qu'il y a peut-être de l'épandage aussi de Lizzie à faire. Attends, ouais. Que je regarde pour fertiliser nos parcelles, on y met le maïs. Alors attends, je vais regarder ça. Croissance, non. Voilà, fertiliser. Alors j'avais remis du lisier dans celle-là. Donc là, on est bon sur celle-là. Ça a l'air d'être assez fertilisé. Ah, c'est la 24 qui est à nous. Ça a l'air d'être fertilisé aussi sur la 24. Il y a un passage, c'est bizarre, mais ça a l'air d'être fertilisé. Ah, mais si, c'est le... Il a le straw harvest, enfin le straw harvest qui restitue la paille au sol et ça fait un oui, état. Oui, ça fait un. C'est ça en fait. Ok, d'accord, oui, ça fait une fertilité. Ok, donc ça vient de là. Oui. Mais c'est... Peut-être que je peux remettre du lisier par-dessus. Ok, et du coup, attends, il y a l'autre. Parce que là, on est qu'à 50%, c'est ça ? On est qu'à 50 du coup là. Et oui, mais 50%, mais. Attends. Mauvaise herbe. Ouais, du coup, là, par contre, elle est zéro fertilisée la 44. Il y aurait la 44 et la 75 à faire, je crois. Ah, mais il faudrait 3 heures pour faire tout ce, pour tout faire. Un truc de fou. En fertilisation ? Ouais. Allez, c'est que la cuve, elle est petite, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est que tu mets 3 heures pour faire. Bah ouais. Attends, je dételle le plateau. Oh putain, il tombe. Non, c'est bon. Je donne un peu de foin aux animaux. Eh ben écoute, je te laisse. Merde. Regardez ça si tu veux. Attends, faut que je regarde déjà. Attends, c'est pareil, c'est la 21. C'est celle-là que je voulais voir, la 21. Ouais, c'est pareil. La 21. Ah si, la 21, elle est fertilisée. C'est du foin, ça. Par contre, ouais, il y avait vraiment la 44 qui est pas du tout fertilisée. Et du coup, la 75 que je viens de presser. Hein. Alors, peut-être qu'on fertilise peut-être celle qu'on va mettre en maïs, peut-être ouais, en priorité. Bah, Et ouais, mais elles sont déjà faites, en fait, alors, du coup. Ah, d'accord. Bon, la, bah, alors, la numéro 5, elle est faite, je l'avais faite l'autre fois, quand ouais. T'étais pas là, ou il me semble, oui, quand t'étais pas là. J'ai fait la numéro... Bah, la 24, il n'y a pas besoin. Ou alors, si, la 24, peut-être. Si, on va faire la 24, les gars. La allez, 24. On va... Elle est pas très loin, en plus, donc je vais la faire, vite fait. On va voir si ça marche. C'est celle où il y a le... Ah bah oui, c'est celle où... Je pense qu'il y a moyen de la faire. Ouais. Et celle-là, elle est en quoi ? Là, elle est à nu. Il n'y a rien dessus. La 24 ? Là, on met du maïs, c'est ça ? Oui, on va mettre du maïs sur la 24, sur la 5, et peut-être la 21 aussi. Comme ça, on va faire 3 parcelles, je pense que ça sera pas mal. Ouais, 3 parcelles. Alors, 24, 21, donc faut pas qu'on soit trop loin de la ferme, comme ça, pour les bennes, c'est pas... Ouais, parfait. Bah, je pense qu'on est pas 21, mal. 21, mais c'est parfait, ouais. Et après, si ça, tu veux, au pire, déjà, tu peux venir aller déchaumer après, si tu... Oh, je sais pas ce que tu veux faire, je sais pas. Si. Attends, je ramène, si je donne juste à manger aux animaux. Ouais, attends, mais je suis où, là ? Si je suis là, c'est bon. Et après, je viens déchaumer derrière toi, si tu veux. Ouais. Après, il y a déjà la numéro 5, si tu veux la faire, tu peux la faire, celle-là, en déchaumage. Ouais, bah, je vais la faire, attends, je comme donne ça, après, juste on essaye de semer... Voilà, je vais essayer 2 bottes de foin aux animaux. Ouais. Non, mais vas-y, hein, fais ce que t'as, enfin, tu fais, vas-y. Hein. Ok. Je redonne 2 bottes à voir. Fais le plein de lisier. Oh, j'ai pas fait le plein de lisier. Oh. Et hop, appel. Non, mais oui, je crois que Gifit ne sait pas jouer au jeu, effectivement. Ah, ouais, mais j'étais. En plus, je me suis dit, quand j'ai pris le Fiat, il faut que je fasse le plein de la cube. Et puis on discute et après j'oublie. Voilà, et puis voilà. Voilà. Salut GG, comment vas-tu ? Salut GG. Ouais, donc ouais, bah, bravo Gifit. Allez, un petit tour pour rien. Un petit tour. C'est le gasoil, les gars, ça coûte pas cher. On se promène, voilà. On se promène. Voilà, on a le droit. Oh, c'est chiant, j'avoue. Ouais. Il y a des fois, j'oublie tout. Ouais, bah ça m'arrive aussi, t'inquiète. Ah, ouais, non, mais. Une fois, ouais, mais... j'avais pas fait le plein de la machine. Et je me t'ai dit, faut que je le fasse absolument avant de partir. Mais voilà. J'ai dit absolument. Et là, je fais autre chose et je reviens, je prends la machine et je me barre sans faire le plein. Impeccable. Attends, vas-y, je laisse passer. Hop. Oh putain, ça a pas dû passer loin. Oh, on est pas sûr. J'y mettrai pas mon doigt, mais. Non. Mais c'est bon. Ou autre chose, mais non. Alors. Allez, je vais donner la grosse botte là. Voilà. Comme ça. Oh là, ça se coud dans tous les sens. De quoi se nourrir. Impeccable. T'as le coudoir, il est trop où là ? Il est trop où cet accoudoir ? Pour. Ah, c'est là. Quelques temps. Ah, impeccable. Ah, ouais. Voilà. Et après, on va aller déchaumer. Impeccable. Le bâtiment à côté de la maison sur King Mode, je pense que oui, Baptiste. Il me semble.
Oui. Mais bon, alors, il est en DL, hein, il me semble. C'est Bastien qui l'a. C'est les modes à Bastien, mais il me semblait l'avoir vu passer à l'époque aussi. Oui, il est. Regarde, mais bon, après, il faudrait rechercher où, hein, je sais pas. Hein. Il y a déjà un moment, je pense qu'il est en DL. Oh, ça fait un petit moment, ouais. C'est pas on des va le bâtiments retrouver, qui sont mais. Sortis récemment, mais ouais. Mais je pense que tu dois le trouver dans les modes bâtiments. Regarde au tout début. Tout début, tout début. Puisque ça, c'est un bâtiment qu'on avait déjà sur le 19. Mm. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, celui-là, on l'avait, oui. Oh là, on le traîne depuis un moment déjà, celui-là. Merci les gars pour les retours aussi sur la vidéo de ma ferme comtoise aussi. Avec le 8RX. Il vous a plu ce 8RX, les gars. Mais non, on l'achètera pas. Un peu cher. Un peu cher, et puis on a d'autres choses à faire avant. Mais ça vous a beaucoup plu, donc merci à vous. C'était aussi vous faire un petit kiff avec le tracteur, et moi aussi me faire un petit kiff. Voilà, petit tracteur. Alors du coup, oui, c'est ça qu'il y en a un qui m'a donné une idée, parce que du coup, je me suis pris trop tard pour semer les radis, c'est foutu. Mais il y en a un qui m'a dit « Pourquoi tu sèmes pas de l'herbe, Chifit ?» Vous n'avez pas que ça, c'était un. Bah si, ah bah si, c'est bon, pardon. Alors attends, je veux juste voir si ça fertilise bien. J'ai une question sur ta ferme comtoise, les radis, tu les as différents? Ou c'est vraiment les radis du jeu? Ah, c'est les radis du jeu. Ah, d'accord. Je pensais que tu avais un mode où tu les avais sous forme de métaille. Ah non, non, pas du tout. Non, bah, on m'a envoyé ce mode à l'époque, mais après, on m'a dit qu'il était buggé. Et du coup, j'ai jamais trop regardé plus que ça après. Okay. Non, c'était un mode, en plus, en fait, c'est le foliage qui change. Oui, c'est le foliage, voilà. Ouais. Et comme sur la map, sur la map des boursins, lié. Ah, d'accord, ok. Voilà. Non, mais là, c'est une texture... Une texture, comment dire, où il t'avait dessus un mélange de culture, t'avais du tournesol, c'est oui, bah c'est ça qu'il a mis sur les maps. Ah, c'est ça qu'il a mis. Ah, ouais. Ça c'est stylé ça. Voilà. Ça par contre. Et donc, c'est du coup, tu peux t'en servir comme radis, enfin comme radis. Oui, comme engrais, engrais vert, voilà. Ouais, c'est un soit culture tu peux intermédiaire. Le déchaumer ouais. Quand voilà. Et tu peux aussi l'utiliser en métaille, c'est-à-dire que tu peux donner aussi l'alimentation aux animaux avec. Ah, c'est stylé tu ça. Peux... Ouais, ouais. Et on se fait comme ça parce que je vois trop où je passe sinon. Alors, ah ça par contre c'est stylé. Parcelle numéro 5 hein, tu m'as dit. Oui. Ok bah allez, on va déchaumer ça. C'est parti. Ah, j'espère les gars, on va en faire des allers-retours, je vous le dis moi. La parcelle, bon elle est pas petite, mais elle est pas grande, mais elle est pas petite non plus quoi. J'ai vu qu'on avait quand même un peu de lisier quand même là. Oui, on a quand même du lisier, on a encore 45 minutes. 45 ah bah impeccable. Parce que je me suis posé la question, j'ai dit est-ce qu'il en quand reste j'ai donné beaucoup. Ouais, quand j'ai donné l'alimentation aux vaches, voilà. Ok, salut LFA, ouais, salut à toi. Salut LFA. Salut à tous ceux qui arrivent les gars, merci à vous, on est plus de 410 personnes. Ouais, merci. N'oubliez merci pas le petit là. Like pour tous les amis. Voilà. On va faire quelques allers-retours les gars, mais voilà. On prépare les terres pour les maïs et du coup après, voilà. Par contre je pense qu'on prendra le fen pour semer parce que ouais ouais le semoir il est costaud. Hein. Ah là là ce fen, le son qu'il a aussi celui-là. Ah il est propre. Ah là là. Il est propre, il est peut-être un peu sale mais il est propre. Oh ça va encore. Ça va oh, impeccable. Ouais. Ah ouais, bah, au moins le matériel il sert. Hein. Ah oui. Ah bah au moins faut que ça, voilà, hop, bah, c'est parce qu'il me semblait que je me suis pris les billes de bois sur le côté. En version Landbauer vert et orange. Ok, Polo, ok. Ok, ok, salut Nico. Salut Nico. Salut à tous ceux qui arrivent, les gars. Allez, on va refaire le plein. L'objectif, les gars, là, c'est... Il y a un trou au milieu ici. Mais c'est pas mal avec des trous comme ça, là. J'avoue, c'est stylé. Les chemins, ils sont pas toujours en bon état. Non, non, j'avoue que cette partie-là, là, les chemins... Je trouve ça bien qu'il ait fait des chemins un peu comme ça. Ouais, c'est top. Ça, c'est là, il y a un trou, là, ici, là. Et là, là. Ouais, il y a des trous et ça... Et plus tu remontes sur le chemin, plus tu reviens sur la route. Le chemin là, il est presque impraticable tellement il est. Ah ouais. Mais ce qui est bien, c'est que trous, après, quand est... tu le prends doucement, ça, par contre, il passe bien. Mais faut le prendre doucement, quoi. Après, voilà. Voilà, c'est ça. Et quand t'as le mode, il y a un mode qui existe où tu peux faire bouger l'axe du tracteur. Ça fait vraiment trop bien. L'axe du tracteur? Ah oui, c'est oui, quoi ça? Oui, il y a un mode. Le mode, c'est axe fall quelque chose. Et ça fait quoi? Ça fait. Et bah, du coup, ça fait bouger ton essieu avant. L'axe, les axes des roues, tout ça, ça les fait bouger. Ah, d'accord. Ah, ok. Je le rajoute celui-là. Peut-être pas mal ouais. Ce mode. Et c'est un mode qui est sorti au tout début du jeu, je crois. Ouais, mais ça me dit quelque chose ton mode là. En plus, j'en ai déjà, oui. Hein. Ah, il n'y a pas axe, le. Axe Waller, un truc comme ça, non, je crois que c'est Axe. Ok.
Ah, tu vois, je regarde rien. Si, parce que dès que tu prends une bosse, ben, t'as l'essieu avant qui se lève, qui se. Tu vois, qui comme. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il fait le beau Romain Gris? Bah, il est en train de déchaumer une parcelle pour accueillir du maïs. Voilà. Avec le nouveau déchaumeur. Eh, mais pourquoi ça marche pas là? Tu es pas pleine. Ah, voilà. Ah, mais arrête d'appuyer sur ce bouton pour le quick camera, il y en a pas. Gifit. Arrête-y au bout d'un moment. J'insiste. Mais... Allez, on y retourne. On aurait été pas loin de. Attends, on va aller te voir vite fait là, juste pour voir. Yes. Alors, ah voilà, il est là. On est en train de faire les fourrières. Ah, tu fais. Oui, je me disais, mais il a. T'es déchaumé, mais je voyais pas où. Ah oui, j'ai pas que t'avais fait les fourrières, applicable. Ah oui, tu fais voilà. Un tour, ok, d'accord. Voilà, je fais un tour, puis après. Ouais, non, tu le fais. On fera comme des longueurs. Hein. Il y a pas mal ce petit Gyrax derrière là. Il est pas mal, hein. Il est joli avec le fence. Ah, par contre, il y a des pierres. Ah. Attends, mais il a mis quoi? Faut les enlever ces pierres. Parce que oh, c'est... oui, on peut les enlever, ouais. Attends, c'est dans quoi? Direction des pierres. Là. Non, c'est là, normal. Croissance et culture, je suis requise, mais. Attends. Pierre dans les. Ah non, pierre dans les champs, non, pourtant. Bon. Ah ouais, bah alors c'est des pierres qui apparaissent. Elles resteront, hein, c'est pas grave. Ouais. Mal ensemble, c'est vrai. Tu sais que tu peux. Ah, il y a le mode Kubota sur la partie. Il y a le mode passager. Oui, ah tu oui, peux attends, monter oui, avec oui, moi oui. Si tu veux. Attends, bah attends, j'arrive pour voir. Ouais, je crois que tu peux. Il me semble. Hein. Ah oui, mais attends, descends juste du tracteur, s'il te plaît. Je vais switcher dedans, ça m'évitera d'y aller à pattes. Voilà, vas-y. Vas-y, monte en premier. Ah oui, t'es dedans, ça y est. Oui. Ah, si, ouais, je suis avec toi. Ouais. Oh là là, vas-y, allez pilote. Allez pilote. Ah c'est pas mal hein. Ouais. Sous votre passager, j'avoue. Stylé. Il a l'air heureux mon petit Romagri, regardez-moi ça là. Avec ses belles lunettes, son petit béret. C'est pas beau. Ah bah oui, écoute. Allez, c'est propre, franchement. Allez, pleine bourre. Allez. On est non, à bon, c'est on déchaume à 15. Voilà. 15. Bon, on monte, ça monte quand même. Oui, ça monte. Non, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ouais. C'est parfait. Bon, allez, je te laisse, je vais bosser parce que sinon. Yes, sinon, on va pas faire grand chose. Le mec qui fait son live dans le tracteur. Vincent, à plus, mon Vince. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Qui a épandu du fumier dans la ferme? Bah, allez, ça, faut demander à monsieur Stervio et Hugo. Ouais. Bon, on en a ramassé pas on mal. On en a ramassé pas mal quand même. Mais ouais. Il en reste. Il en reste. Et là, le fait qu'on soit deux, tu vois, j'ai moins de lag, je pense, sur la partie. Eh ben, j'en ai pas eu un depuis le début. Ouais, mais je pense que ça, c'est le fait d'être moins nombreux. Ouais, et... ben, ça y joue. Hein. Automatiquement. C'est ça que j'aime pas trop sur les parties serveurs, c'est ça, les lags et tout. Les... Mmh. Mais là, ça va. Mais là, franchement, depuis le début, ouais, franchement, nickel. Allez, on va faire ça. Ah oui, on n'avait pas acheté le GPS sur le 726. Ah, bah enfin, dès qu'on aura, bon là on a... Ouais, bon, ouais. On pourrait le faire, mais on peut pas dans un putain, mais ce maïs c'est chiant. Hein. Oui, maïs, c'est un petit bon. Bonus pour plus tard. Voilà, on le mettra, oui, c'est vrai que ça coûte de source quand même de mettre un GPS sur un tracteur comme ça. On va dire qu'il ne l'avait pas reçu à l'époque où on l'a acheté. Voilà. Voilà. On va dire ça. Allez, on arrive à la parcelle, les gars. Oh, bah ça va, ça se fait bien. Oh, ça. Ouais, il y a des trous, j'y fit. C'est sûr que ça va plus vite quand même en 5 mètres. Ah, bah c'est sûr. Ça, c'est sûr. Attends, je vais rattaquer là où j'avais arrêté. Et aujourd'hui, il est 20, 40. Ah, bah ouais, j'imagine, mon petit Rom. Repose-toi, voilà. Ah bah oui, c'est vrai qu'il avait commencé ça déjà ça hier. Ça devait être du sport, ouais, j'imagine. Mmh. T'as 40-60 kilos, c'est carrément des pierres. Faut le faire à la mini-pelle. T'avais pas la mini-pelle pour t'aider? Ça, des fois... Bon, après, des fois, la mini-pelle, t'as pas trop le choix de les bouger à la main, mais... Il les a placés à la mini-pelle, tu sais. Ah, les... ah d'accord. Non, mais des fois, ça... Bon, après, c'est pour les enrochements et tout, mais après, bon, c'est des pierres ouais. Plus grosses, hein. Là, tu les bouges pas à la main, mais... Salut, mon petit Fabrice, merci de passer.
Hey, coucou mon Fab. Salut, salut. Les câbles, on y met un peu de merde, ça fertilise. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ouais, j'ai vu la story de Bastien, ouais, où il a fait du sport, mais il a... Je sais pas, ils ont fait du sport, mais il était à deux doigts de dégueuler, je crois, Bastien, ou je sais pas. Le grand sportif du dimanche. Aïe, aïe, aïe. Pas qu'il vienne faire une séance avec moi, mais parce qu'il va... Alors là, mais je sais pas, à un moment donné, il devait pas faire de la salle de sport, il avait pas Mais dit si, qu'il ferait de la à salle de l'époque, il sport. en faisait de la salle, mais Ouais. il a arrêté. Après, la salle de sport, si tu veux vraiment avoir des résultats, faut y aller assez souvent, parce que Ah bah sinon, ça c'est clair, bien sûr. si tu y vas qu'une fois tous les 15 jours, Ouais, ça, faut y être assidu parce que voilà. j'avoue que ouais. Mais faut au moins y aller. Moi, j'y vais 4 fois par semaine, quoi, après le boulot, et puis... Ah ouais, quand même. Ah Ouais. oui, bah si tu veux des résultats, bon, Tu fais des après... séances de combien de temps? Une heure, Une une heure et heure, une heure demie? 15, pas plus. Ouais. Parce qu'après, ça... Ça, c'est trop long. Après, vaut mieux faire 4 séances d'une heure que... Non, mais c'est bien. Alors, encore faire un tour, les gars. Allez. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Ça dépense après après le boulot. Ça te vide la tête. C'est bien. Ça permet de se vider la tête et de... Ouais. 5 Moi, je fois vais par attendre semaine, dire que... Ouais. Bah, parfait, Arbus, impeccable. qu'il refasse beau pour refaire du tennis, mais voilà. Ah, bah oui. Ah, c'est que ça, c'est le genre de sport que tu peux pas trop pratiquer Ah là, en à hiver, c'est cette plus époque. Hein. compliqué. Ou en Ouais. salle, quoi, si. Ou en salle, mais bon, c'est payant et puis c'est pas top top là où je suis. Ouais, c'est pas. Bon, Bon, après, il va faut refaire qu'il. meilleur, il annonce meilleur. On va arriver au mois de mars, il va commencer à refaire meilleur, hein, Ah, bah, normalement. il va bien falloir, ouais. Il annonce un peu de redoux là. Falloir que ça s'y remette au beau temps, là, parce que. Ah, parce que là, ce matin chez nous, c'était brouillard et 1 degré. Hein. 1 degré? Ah ouais. Ouais. Et un brouillard dense. Ah nous, il faisait un peu plus chaud, mais... Merci Stéphane, merci. Non, c'était pas vraiment top le temps ce matin. Ça se coule, là, ça se coule. C'est là que j'ai regretté la Martinique, tu vois. Ah bah j'imagine, ouais. J'imagine que ça devait manquer. Ouais. Ah ouais, bah là, ça fait un contraste, laisse tomber. Allez. Pareil, brouillard toute la journée. Ok, Valentin, merci pour le point météo. Yes. Oui, je savais que Servio n'allait pas. Bah oui. Oui, Bah je l'ai oui, annoncé quand parce même. qu'il est pas là. Ça dit, bon, s'il est pas là, c'est que. Oui, on savait, vous Quoi? inquiétez pas. Il Quoi? Il n'arrive est pas là? pas? Je pensais Quoi? qu'il viendrait. Oui, allô? Oui. Voilà, ça secoue, ça secoue. Hop. Il nous reste une, deux, allez, trois passages et puis le champ sera déchaumé, parfait. Ça me fait bah, impeccable. Ça fait penser qu'il doit y avoir des œufs aussi, tiens. J'aime bien les. Ah, ça a dû, oui, que la nuit est passée, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai pas regardé au poulailler, mais oui, on en doit en avoir, ouais. Je vais aller y voir vite fait là. Mets du fumier dans la ferme de Stave. Non, non, les gars, non. Non. C'est fini les manifs. C'est Enfin, fini, du moins ouais. sur la. Sur la série. Attends, mais pourquoi ça marche pas là? Et je peux encore pas ouvrir la porte là. Et j'ai pu l'ouvrir l'autre fois quand je suis retourné sur la partie. Non, mais cette porte, c'est un sketch. C'est Et là, fou j'y ça. arrive pas. Bah, on y est arrivé en début de partie. Ah oui. Bon, je passe par derrière du coup. Désolé encore, mais. Mais c'est dingue ça. Par la petite porte. Voilà. Bon, il y a quelques Voilà. palettes, mais. Pourtant, il y a de la nourriture, hein, mais. Quelques palettes. Je vais juste les Ouais. enlever pour éviter que. Pour éviter qu'elle. Voilà. Une palette là. Là. Voilà, on va faire l'omelette encore. Voilà. Voilà. Ouais, je referme ça. On ressort. Ah, mais je sais pas pourquoi ça. Y a pas moyen d'ouvrir cette porte. Bah, et des fois ça marche, puis là. Ouais, c'est bizarre, hein. Alors, ça se trouve, ça va faire pareil. Moi, je vais pas pouvoir l'ouvrir non plus. Essaye, pas t'essaieras, mais. Ouais, bah attends, je finis Bon, non, par mais non, non, l'ouvrir mais et vas-y, j'ai. non, mais t'essaieras plus tard, t'inquiète. Ouais. Sur le modem, matboard, catégorie broyeur, tu devrais le trouver normalement. Et je crois qu'il est sur console aussi, celui-là.
De? Le Gyrax, le Ah broyeur, tu sais, oui. le gyrobroyeur. Ouais. Hop. Ah! Pas Hein? sûr. Ah bah après, je dis, bah après, bon, ça va voir, mais il est sur le Il y modem, hein. était. Il y était, mais je crois qu'il a été retiré. Ah, oh bah alors là, je savais pas. Le broyeur Gyrax, hein, c'est ça le gros broyeur que tu utilises Bah le sur la gros table voyant en chinoise. 7 mètres, ouais. Je suis pas certain. Bah Je crois qu'il a été regarde. retiré du modem. Ouais, Parce regarde que alors. j'ai voulu aller revoir voir sur le modem et il n'y était plus la dernière fois. Alors, D'accord. Bah alors là, je saurais pas pas dire. certain qu'il est. Bah, on va voir quand même, à moins qu'il ait été remis depuis, mais. Alors je te parle de ça, il y a peut-être avant que je parte en vacances, ça fait 3 semaines. Oh bah il est parvenu. Hein. Mais je suis pas sûr, je pense qu'il a été retiré. Ah, bah il me Mais semble sans que je ça. l'avais, moi je l'avais pris sur le modem, hein, ce broyeur là. Oui, moi aussi je l'ai pris, mais justement j'avais voulu aller revoir ses caractéristiques comme ça vite fait. Et impossible de le retrouver. Ah, je dirais que c'est sur PS4. Ouais, il me semble qu'il y était. Bah, alors s'il a été Mais il y retiré, était. bah oui. Ouais, il y était sur toute plateforme, mais. Mais j'ai un doute, hein. À moins qu'il ait été remis depuis, mais. Je dirais que c'est sur le modem, ok. D'accord. Ah! Je me suis enquillé sur les trucs là, non mais n'importe quoi. Bravo Bon bah écoute, Gfit, du bon boulot ça encore. la parcelle 5 est déchaumée. Et bah si tu veux, est-ce qu'on a rien comme tracteur pour semer Ah bah attends, si, le Fiat. Je vais remettre Mais le Fiat le. je l'ai. Ah, et Moi tu je l'ai fais sur le quoi tonneau avec? moi. Tu lisais? Ouais. Ah oui. Et c'est long parce que je passe, c'est long. C'est que je fais les allers-retours. Bah on va semer Mais au avec. pire, si tu veux, je peux te laisser la Toi. main sur l'épandage? Oui. Ah, attends. Ah, je voulais aller voir les poulettes là. Pendant que j'arrive par Bah, on là. va au pire, viens, après tu viens en tracteur, on va inverser. Moi je vais attaquer de Ouais. déchaumer la parcelle, toi tu continueras comme ça. Eh ben, On va ok, ça changer un peu marche. d'activité. Puis on sera Yes. ensemble sur la parcelle, donc ce sera Alors, plus simple. moi, je peux ouvrir hein, les portes. Au pire, ce qu'on fait déjà un peu dans ce live, c'est de tout préparer les sols. Bah oui, ça peut être pas mal, Et je on pense. sème, enfin on verra où on en sera et on sème au pire Oui. mercredi prochain. Enfin on Exactement. verra Ok. parce que du coup, T'es dans quelle faut bien partie? qu'on À passe tout 24, d'un pardon. coup quoi. Donc, je viens avec le déchaumeur. Oui, Oui. moi comme ça je Oui, c'est déchaumerai peut-être. et toi tu pourras finir Ouais. l'épandage comme ça. Oui, t'as raison. Je préfère qu'on sème tout d'un coup parce que si jamais Bah c'est ça. il veut l'arriver de son côté Il et est sur le qu'il modem avance. apparemment. D'accord, c'est revenu. Ok, bah parfait. Oui, je préfère. Comme ça, tout ça se met en même temps et il n'y aura pas de problème de lever. Ah, de décalage et tout, ouais. De décalage, voilà. On le fait comme ça. Allez, bah j'arrive. Il y a encore un ou deux tours à faire. Putain, ça pompe. Le lisier, là, c'est un. Enfin, ça pompe. Je sens le mauvais jeu de mots, mais. Ouais. Ça en Ça descend passe à chaque vite. fois. Ça descend vite, hein. Salut, Ah, en plus sur la Mia42, salut à toi. largeur d'épandage, elle est pas énorme, je pense, sur cette. Bah si justement elle est pas si mal que ça. Hein. Si elle Enfin est pas c'est pas mal. là, elle est pas faible non plus, donc du coup c'est pour ça que ça descend peut-être plus vite aussi, c'est qu'elle est pas dégueulasse la largeur d'épandage, donc vu la taille du tonneau qui est pas très gros. Peut-être pour ça aussi. Je vais passer là. Une petite fourrière là. Enfin moi je vais passer là, on va vider là le long. Hop là. Impeccable. Salut Lucas! Bon voilà, c'est vide. Ça après je te laisserai. J'arrive, j'arrive. Ah vas-y, vas-y. Je te laisserai parler. Je vais voir un peu ce qu'il y a sur le chat. Ouais, donc le modem est. Le broyeur, pardon, il est bien sur le modem. Ok. Pouce en l'air, merci. Salut Lucas. Patron, il a le collé, c'est ça. Achète la cuve à lisier. Ouais, en plus, la cuve à lisier, une fois qu'on aura fini d'épandre tout ce qu'il y a à épandre, on la rendra parce qu'elle est pas à nous. Créateur des boursins. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire, les gars. Allez sur. Le plus simple, c'est bah, trouver soit la page des boursins sur Facebook. Eh ben, Jérémy, il vous a mis le lien Bah, en soit, dessous voilà ce que j'allais là. dire. Ouais, soit je vous ai mis Voilà. le lien dans la vidéo présentation que j'ai fait. Voilà, et j'ai remis le lien sur le live de lundi soir aussi. Voilà. Voilà, vous pouvez les soutenir là-bas et que vous aurez la version, la carte un petit peu en avance. N'hésitez pas à aller. Voilà. Voilà. Épandeur à fumier, ouais, on verra, il faudra qu'on en achète un peu, mais je voulais voir avec Bastien aussi si des fois il n'a pas besoin d'un.
d'un épandeur, parce que ça, c'est le genre d'achat qu'on pourrait faire à deux, quoi. Là, je suis la Rome. Hop. Moi, je vais attaquer ici, parce que du coup... Je t'ai aperçu. Ouais, c'est il reste que là, il reste pas lourd, hein. Il te reste un tour à faire. Allez. Ok. On aurait pu mettre une petite masse devant, ça, je sais pas penser. Il reste un tour à faire. Oh bah oui, bon bah je vais aller en rechercher. Hop. Hop, allez go. Ouais, ce sera une belle parcelle en maïs là. Mm-mm. C'est parfait. Ah bah là, il y aura une belle parcelle, plus l'autre. Plus et... la parcelle numéro 5. Et plus la... Une... la 21, on va mettre aussi. La 21, ouais. Ouais, parfait. Et là, on aura du maïs. Et ensuite, on se gardera, les gars, la dernière demi-heure pour faire un peu de... De déco. De déco. Voilà. Mm. Donc, après 22h, on arrêtera les travaux, c'est pour ça. Yes. Au pire, je mettrai peut-être l'ouvrier, lui, à bosser pour le déchômage. On verra. Oui, bah oui, bah il faut essayer des lignes droites, donc je pense qu'il devrait gérer quand même. On n'aura pas le temps de semer, quoi. Ouais, mais autant semer, mais ouais, c'est mieux quand même de semer tout en une seule fois. Mm-mm. C'est vrai que ça manque un petit GPS, ça, sur le tracteur. Mm. Oh bah ça se rajoutera après. Ouais ouais. J'essaye de prendre pleine largeur, impeccable. Non bon, on dépote quand même un peu de boulot quand même là. Ah oui oui oui. Non ça se fait bien. C'est bien là, nos terres se sont, voilà, seront repréparées, on pourra juste semer, c'est parfait. Refertiliser. C'est parfait. Donc c'est... C'est impeccable. Nickel. C'est la cuve de base, ça. Hein. C'est la cuve qu'on avait directement dans ah le oui, jeu. Oui. Hein, si je... Ah oui, oui, celle-là. Elle est pas mal quand même. Ah, elle est bien, moi j'aime bien. Salut Julien. Elle est pas mal. Ouais. Salut Julien. Allez, on repart. C'est que le Fiat il a 20h déjà. Déjà ? Oh mais il ouais. a tourné hein. Ouais. J'avoue il a déjà pas mal tourné hein. Ah ouais. Pas de GPS et non on a pas le GPS sur le tracteur les gars. Non il était pas mais... arrivé à la concession. Mais est-ce qu'il a mis le mode GPS Bastien ? Oui il y est ? Je crois, il me semble. Ah ça, ça se trouve sur. Je sais pas s'il si l'a mis sur serveur. Ouais je dis ça mais je suis pas sûr. Je pense. Ah c'est si là parce qu'on avait fait les, ouais. les betteraves. Ah bah oui la... puis la machine. On a mis la GPS sur la machine à betterave. Ah, la Lexion, elle l'a aussi. Ah oui, bah oui. Si ? Si, si. Peut-être. Oui. Je sais pas. Ah, si, si. Si, si. Ok. Attends, je te dis ça, j'ai un doute maintenant. J'avoue, je sais pas. Non. Ah non, elle l'a pas, ouais, il semble pas l'avoir. On l'a mis. Pas non plus. Non, mais on non, l'a mais parce ils étaient, que. Ils étaient en rupture dans Top Chez Class, ils étaient en rupture de GPS. C'est là. Ça. Quand on a acheté les. Le matériel, je vais au CIMA, de... ouais je vais au CIMA, ouais mais y a oui, pas de CIMA bah, les gars. Sinon j'y serais allé et y a plus de CIMA. En 2000, non y a plus de CIMA malheureusement. Enfin y aura pas de CIMA cette année. C'est bien triste. De toute façon ça va... Et puis, oui mon avis c'est même fini ouais. De toute façon ça va être fini hein. C'est triste bon, hein. Après moi j'avais bien aimé le CIMA. Tu étais toi Rome, tu étais venu aussi. Bah, on était ensemble. Oui, ah oui voilà, oui c'est bien ça parce que je sais plus à force... Ouais. Oui, oui, bah moi je connaissais déjà... La rencontre abonnée chez Kubota, c'était trop bien. Ouais, c'était excellent. Il y avait du monde, hein, il y avait du monde de fou. Il y avait du monde et tout, ouais, c'est vrai. Même chez Newland et Newland, tout, ouais, Newland aussi, ouais. On était monté sur la terrasse, là, c'était vraiment ouais. sympa. Ah ouais, on avait vu des canons. Ouais. C'est pas mauvais. Mais non, franchement, ouais, non, bah moi j'aimais bien le CIMA. C'est ça qu'il y a plus de salon, à part le sommet. Ouais. Et Innova Gris, ouais, Innova Gris aussi. J'ai peut-être essayé d'y aller cette année, j'aimerais bien y aller quand même. Ben, ou alors aller faire le salon en Allemagne, le fameux... Oh, Agritechnica, là. Agritechnica. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que vu que c'est allemand, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, bah, surtout aussi pour voir, bon, le salon lui-même et les abonnés aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. J'avoue, c'est pas le salon où tu vas voir tes abonnés. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Ça, on est d'accord. Non, bah après, le salon pour nous, c'est le sommet de l'élevage. Hein. Bah, t'as que le sommet, puis après, t'as Innova Gris, voilà. Puis c'est tout. Quoi. Et Innova Gris, puis voilà, hein. Et puis c'est tout, c'est fini les salons, ouais le CIMA... Maintenant c'est le sommet de l'élevage qui reste le plus beau salon en France. Oh bah oui maintenant. Le salon, enfin le CIA là, qui actuellement il est pas... C'est pas une... Moi, je... Ouais.
C'est pas un salon, alors c'est un salon agricole certes, mais c'est fait plus pour la toute première fois que j'y étais, par contre, c'était super bien, j'avoue. Quand on avait été avec tous les influenceurs, on avait fait de la cuisine et tout, il y avait plein d'influenceurs, mais c'est vieux déjà, il y a 5 ans, non ? 3-4 ans peut-être. 4 ans. Ah ouais. Et c'était super stylé. Il y avait Stervio, il y avait Seb à l'époque, il y avait même Énergie, il y avait Mister Wallon aussi, il y avait. Ah oui, bah ouais, ouais. Vous avez invité pas mal de. Ah ouais, non, c'était top. Hein. On avait bien kiffé. Hein. Mais bon, maintenant ça. Il y avait Perrine aussi, je crois. Il y avait Perrine, il y avait Mimi Agri aussi. Oui. C'est Noémie. Mmh. Il y avait. Oh, à l'époque, quoi. Il y avait aussi Honoré d'Agricom France. Qui c'est qu'il y avait d'autres ? Bah, il y avait aussi Mister Agri France, Alexandre. Oui. Mmh. Donc c'est plus des vidéos IRL de chantier et tout. C'est qu'il y avait d'autres, je sais plus. Ouais, puis Estergo et puis. Mais c'était pas mal, on était reçu chez Réussir, le magazine là. Mmh. C'est eux qui avaient organisé ça et tout, accueilli petit pain au chocolat et tout à l'époque, c'était top. Et oui, c'était la belle époque. Ah bah là j'avoue, pour les salons et tout, c'était vraiment la belle époque, ouais. Yes. Bah c'était je crois que c'est. Attends, c'était là ? Non, c'était pas là ou que ça a fermé après ? Non. Avec le Covid et tout, non, c'était pas cette année-là, c'était après. Non, c'était après, ouais. C'est l'année d'après. Ça devait être en 2021. C'était en 2019, pardon. 2019. Et ouais. C'est en 2020 qu'on y était et que ça a fermé le lendemain. Ça fermait le dimanche. Ah. Il était le samedi, ça fermait le dimanche. Ouais, je me rappellerai toujours. À peine avant de sortir du salon, on entend l'annonce. Ah ouais. Le salon sera fermé pour cause. Ah ouais, non, mais ça a reculé. Waouh, ok. Salut Jérémy, salut Mathis. Salut Romcraft, salut à toi. Ah, c'est un truc de fou, ouais. Et salut mon Jérémy. Ouais, c'était vraiment. Ouais. Si on se doutait qu'il y aurait tout ça après là. Voilà. Puis là, les gens bien dégoûtés parce qu'il y avait des gens qui étaient venus de Marseille, de. Ah, ouais, ouais, ah bah ouais. Pour assister au salon et là. Et là, fermé. À la porte, quelque chose de bien. Et là, ah ouais, t'as non. Les boules. Ouais, c'était le dimanche et moi je suis revenu au boulot après le lundi et le mardi on était confinés, je crois. Ouais, c'est ça. Ça a été vite après. Hein. Après, ça a été super vite. Pour les confinements, là, c'était super vite. Hein. Mais je me rappelle, mais c'était lunaire. Hein. Quand je me revois toujours partir du boulot, on savait pas ce qui se passait. On me donnait des feuilles de déplacement à remplir pour rentrer chez nous, on comprenait rien. Enfin, tu sais, c'était vraiment. Si on écoutait parler le matin, je me rappelle avant d'aller au boulot, je me revois écouter que ça allait fermer, que le président allait parler, qu'on allait voir. Tu penses qu'il allait dire que ça allait tout fermer, tout machin. Et après, ouais, je crois que c'était même c'était le matin, c'était peut-être 11h du matin, au boulot, allez, on arrête, tout le monde chez soi, et c'était incroyable. Et pendant un mois, confiné à la maison. Et moi, j'avais personne sur les routes. Et bah oui, bah, t'étais tranquille, ouais, j'imagine. Alors là, je vais te dire, ça faisait bizarre, parce qu'il y avait vraiment personne, quoi. Ah, mais c'est un truc de fou. J'avais ma petite feuille. Et je crois que je me suis fait arrêter au tout début. Ouais, moi je me suis jamais fait arrêter. Au début, il commençait à faire des contrôles. Et j'ai dû me faire contrôler la même journée, deux fois. Et après, plus rien. Et deux fois, à même pas 5 km d'intervalle. Ça, c'est un truc de fou. Ça. Et après, j'ai jamais pu être contrôlé. Ah ouais, non, mais. Ah, mais moi, puis moi, je me rappelle, je me dépêchais de faire la feuille tout. Quand j'ai mis. Tu sais, t'as le droit à une heure, je crois, non, c'était pas ça? Ouais, c'était une heure, ouais. Et là, dès que je voyais que j'étais limite et tout, j'ai fait. Je me disais, voilà, faut que je me dépêche et tout, si jamais je me fais arrêter. Mais bon, bredin, ouais, hein, mais... complètement bredin. Oui. Mais... Ouais, non, mais tu sais, tu psychotais même pour faire tes cours, tu psychotais, tu n'osais pas toucher le caddie, tu. Tu sais, c'était le genre de. Enfin, après coup, quand tu réfléchis, c'était quand même un peu n'importe. Enfin, pas n'importe quoi, parce que voilà, mais. Mais on était fous, on était un peu concon là-dessus, hein, je pense. On était trop. Ah oui, bah, on était. Voilà. Mais non, ça a bien changé tout ça. On avait à faire, bah oui, c'est clair. Mais bon. C'est bien triste. Oh oui. C'est bien triste bon, tout ça, écoute, oui. Impeccable. Alors là, on est fertilisé. Bah oui, bon, il reste vraiment un tout petit bout de rien, donc je vais pas revenir pour ça. Ok. Mais on est fertilisé, on est bien fertilisé là, du coup c'est parfait. Parce que si je mets l'ouvrier, il va peut-être travailler comme il faut là. Alors, normalement en longueur, oui. Ouais. Ouais, c'est pas mauvais. On est bien. On va le laisser travailler. Hein. Ouais. Dans le semoir qu'on a, on peut remettre un coup d'engrais ou pas? Je crois qu'il y a la.
Il y a le réservoir ou pas? Dans le semoir qu'on a, le... oui, il me semble. Hein. Ah, mais là, sur cette parcelle-là, je crois qu'on est bien, non? Attends. Oui, oui, on est bien, on est fertilisé. Ouais, tu vois, on est fertilisé à 100%. Après, il y a juste les petits passages... Oui. Mais bon, ça va, quoi. On est pas mal. Attends, hein. je vais me pousser parce que sinon, il va rien comprendre, lui. Ah oui, vas-y. Non, on est pas mal, hein. Hein. Ça, il n'y aura plus qu'à semer cette parcelle-là, il restera l'autre. Ouais. Mais bon, ça, au pire, on pourra le faire aussi en... Arrête-toi. Ouais, c'est bon. Il arrête. C'est bon, il gère. Eh non. J'espère qu'il va pas aller dans la parcelle à Bastien après, par contre, mais... Alors, je vais juste... j'avais plutôt peur qu'il aille directement dans le fleuve, moi. Ouais, il a détecté la fin de parcelle. Mais je vais juste aller voir vite fait quand il fait une demi-tour là-bas. Oui. Attends, je vais même monter dedans et voir un peu là-bas. Et après, on... Est-ce qu'on regarderait pas un peu pour de la déco? Ouais. Bah attends, je ramène le petit Fiat et puis... Pendant une demi-heure à faire ça. Ouais, petite demi-heure, voilà. C'est pas mal, je pense. Ouais. C'est le bâtiment qu'ils ont placé. Ouais. Déco. Ouais, on va faire de la déco, les gars. Attendez, c'est juste que là, je veux voir s'il détecte bien la... Ouais, la fin de parcelle. Ah si. J'allais dire, je le voyais foncer, mais il s'arrêtait d'un coup. Non, c'est bon. Bon, ben impeccable. Impeccable. Bon, allez, je switch à la ferme, du coup. On va regarder Romli dès que t'avais, du coup, là. Oui. Mm. Mais est-ce que je placerai pas moi le silo là de l'autre côté comme on avait dit derrière là? Ouais. Le silo les gars, dans l'idée... Non, qu'on... l'ouvrier a terminé son travail. Oh c'est une blague, oh, je vais l'assommer. Non, sérieux. Non, mais c'est qu'il a attaqué chez Bastien. Oh. Ouais, la bande d'herbe elle est pas large, ça c'est la faute à Bastien les gars, parce qu'il a réduit les bandes d'herbe, il me semble. Yes. Bon alors attends, ce qu'il faut que je fasse, attends, ce que je vais faire c'est faire une petite fourrière là, une petite passe. On fait, ouais, deux fourrières. Il arrêtera avant. Ouais. Voilà, parce que sinon on va pas y arriver. Non mais il a attendu qu'on se barre pour faire des conneries. Il est incroyable. Incroyable. Là au moins il va bien détecter où s'arrêter. On va se faire une passe tout le tour là, comme ça au moins on sera tranquille. C'est fou ça. On a les deux créateurs de fermes exceptionnelles, vous pouvez nous faire que de la belle déco, ouais j'avoue. Mais en live, mais sur celle-là, bon, si on, je suis inspiré, mais moins inspiré, oui. Mais ah, les fermes sont pas aussi belles peut-être que sur, oui, que sur après, nos séries. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais j'avoue. J'ai une petite idée d'entrée là. Justement. Bah oui, c'est pour ça, du coup, j'attends de voir. On va regarder ton idée là, et puis. Ouais. Bon, après, puis bon, après, je te laisse faire ta carte blanche. Hein. Carte blanche. Attends, je vais remettre la... Mais oui, c'est vrai que sur nos séries, on a plutôt des belles fermes, pourtant. Mais sur cette série-là, je suis moins inspiré. Où y faire en live, c'est différent. Disons que... T'as pas le temps de... Déjà, différent en live, c'est déjà différent. Et puis en live, on peut pas trop se rater, quoi. Ah, et puis on n'allait pas refaire des fermes qu'on a déjà sur nos parties, tu vois. Ah bah non, oui, je voulais pas refaire la même. Mais... Oui, oui. On voulait pas refaire une ferme identique ou... voilà, faut changer un petit peu quand même, donc... C'est vrai. Après, elle est pas. Elle a de la gueule quand même, hein. Ah oui, non, ça voilà. Va, oui, non. Mais c'est vrai qu'elle est pas fermée, elle est pas les moins. Celle de Bastien est plus travaillée. Oui, c'est sûr que pour l'instant, voilà. Oui, celle de Bastien est beaucoup plus travaillée. Pour l'instant, la nôtre est pas encore fermée, mais voilà. Ouais. On va la remettre par là. Voilà, je vais pouvoir remettre l'ouvrier normalement. Il devrait gérer. Qui vient normalement. On va voir. Voilà. Allez, vas-y, on petit. On va bien voir si. Alors, ah oui, il y a le fumier là. Il faudrait que j'enlève. Attends, je voudrais juste retirer ce qui reste là parce qu'on va utiliser le passage justement pour nous faire une belle entrée. Ouais. Et moi, je vais regarder pour le silo, tiens, tant que tu fais. Tant que tu fais ça. Ouais, retirer. Du coup, les gars, nous, le silo, ce qu'on va faire, c'est le placer ici. Un silo ouvert, parce que les silos fermés d'un côté, c'est plus chiant pour tasser et tout. Je trouve que. Là, on va mettre un silo, du coup, le long du bâtiment ici et derrière. Voilà, comme ça, on mettra notre silo en silage ici, ça ira nickel. Je vais regarder pour faire ça. Du coup, le temps que tu t'enlèves un peu de fumée. Alors, je vais retirer juste... production, bâtiment, silo. Normalement, on a les silos de Massette, si je dis pas de bêtises, qui vont très très bien. Voilà, c'est ceux-là. Ouais. On va pas prendre... Je pense qu'on va prendre celui à 27 000, qui est déjà pas mal. Par contre, ça nous met pas le litrage, mais... Ah oui, alors par contre, on peut le tourner que d'un quart, mais on n'est pas... Ah si, on est pas mal, en fait.
Ah, si, ça va, on est pas mal collé. Alors, c'est soit je laisse un peu d'espace le long du bâtiment ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Laisse peut-être un petit passage on a de la pour place, Tu peux le faire, ça, laisser un petit passage bah, pour le j'aurais plus laissé le passage pour passer avec, mais sur l'extérieur, tu vois. Regarde le live si tu veux, là. Attends, ouais, je regarde tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, les gars. Je me recale. Bah, dis donc. Moi, je le verrais bien, là, tu vois, le silo, là. Je me recale. Voilà, attends, vas-y. Oui, alors, attends. Je fais ça, ok, vas-y, voir. Bah, tu vois, là, je le mettrais bien. Bon, oui, par comme contre... ça, ok. Comme ça, non? Oui, oui. Oui, et après, ici, oui, oui. Ça nous fait un passage ici, quoi. Et laisser un passage à droite. Ouais. Bon, après, je peux pas le coller parce que je peux pas le tourner comme non. je veux. Donc, je vais laisser un peu non, de place quand même. Il est pas pile poil place, parallèle mais... au bâtiment, mais. Oui, mais il est bien quand même. Voilà. Allez. Comme ça, impeccable. J'espère que ça va pas tout me foutre en l'air. Allez, j'y vais. Normalement, non. Non, c'est bon. C'est bon. Ouf. C'est bon. Non, non, c'est bon. Impeccable. Ouais. Non, on aura un beau silo. Je vais travailler un peu les entrées de chaque côté. Impeccable, ça c'est bien. Alors, ce qu'on va faire nous, peindre. Attends, c'est où? Paysagisme. Non, déjà on va sculpter un petit peu, on va reniveler un peu tout ça. Normalement, on a le mode sur la partie qui permet d'avoir de pas payer. De pas payer, ouais. Donc c'est pas mal, j'avoue, pour cette série-là. Là, j'augmente un peu tout ça. Voilà, pour y en mettre un peu de niveau, et que ce soit trop galère. Tac. Et là, on va adoucir après là. Voilà, pour mettre juste... Tac. Voilà. Là, du coup, ça, tac. Là, on va enlever un peu de pente ici. Voilà. On l'a pas trop gifit non plus. Ah oui, là, il y a une belle bosse, une belle cassure, mais attends. Voilà. Là, tac. On adoucit un peu tout ça. Voilà. Ici, on va y mettre de la terre, peindre, terre. Je retire ça. C'est vrai que j'aime pas trop la texture bétonnée du silo, c'est trop neuf. Oh ouais, c'est vrai, j'avoue, il aurait dû... C'est vrai que ça aurait été bien s'il y avait des petites fissures, tu vois, des ouais. trucs... Là, le béton, il fait vraiment trop récent. Mmh. Attends, mettre de l'herbe. Un texture herbe ici, le long bien. Du bâtiment, là. Tac. Voilà, j'aime bien avec des cestarbes. Là, je sais pas, faire une petite sortie un peu comme ça sur le côté. Ça va être un peu chiant, mais bon. J'aime pas, j'aime bien. J'aime bien. On va mettre un petit peu de flaque debout. C'est ce que j'ai du mal à faire, moi, c'est les peintures au sol. J'ai du mal à faire un truc un peu réaliste. Bah, j'avoue que des fois, c'est chaud. Ça dépend de la carte, ouais. C'est vrai que des fois, t'as pas trop de peinture non plus pour pouvoir réaliser un sol comme tu voudrais. Et souvent, t'en as que 3, 4, 5, pas plus. Et j'avoue, des fois, c'est un peu... Là, sur Castelnau, il y en a un peu plus. Donc, bon, ouais, je vais repousser ça comme ça pour l'instant. Là. Et ça comme ça. Peut-être un petit arbre là. Et là, je vais pouvoir... Voilà. Là, ce côté-là, c'est pas trop mal, les gars. Ça va. Le béton brille, ouais, le béton, mais bon, le béton, moi, je suis pas doué pour... Est-ce que je peux changer la texture, là, du... Enfin, mais mettre quoi? Ça, c'est quoi? C'est de l'herbe, ça? C'est quoi comme texture, ça? Ou alors, tu remets un petit peu de boue. On peut remettre un petit peu de boue dans le silo? Ah, ou j'ai une texture un peu caillou, comme ça, là, je sais pas. Ou alors mettre des petits... Oui, des petits graviers, ou... C'est beau comme ça si je mets des cailloux. Ou je peux mettre des cailloux comme ça à l'entrée de chaque oui, côté bah du ça, silo. Ça, c'est pas mal, tu vois, ça c'est pas mal, je trouve. Mais j'en mettrais peut-être pas sur tout le silo. Peut-être non, juste à l'entrée le silo, pour dire genre on met des pierres pour. Ouais, juste. Ouais. Je trouve pour pas éviter mal. Que de rentrer de la terre. Ouais. Et là après, on peut mettre en gravier comme ça. Voilà. Tout en gravier ça. Comme ça, c'est pas mal, non? J'espère que ça va rien changer au silo en lui-même, mais. Non, oh, ça va rien changer, non. Bon. Voilà. Pas trop mal comme ça. Là. Et après, par-ci par-là, je mettrai des petites taches de terre, genre, ou un truc comme ça. Alors. Tac, tac. Merde. Pardon. Là, c'est trop. Tac, tac. Alors. Hop. Donc, ce que je voulais faire. Ah, c'est pas trop mal comme ça, ça va. On va faire l'entrée là. Si vous avez des idées, les gars, n'hésitez pas à nous les donner avec un peu de boue là. De bouillasse. Ah non, c'est de la terre, pardon. Moi, c'est pas mal. Donc. Là, je mettrai juste une petite bande d'herbe là, ici,
le nom du bâtiment là. Alors, attends. Là, c'est pareil. Herbe ici. Plante, herbe. Voilà. Pas trop mal. Hop. Peindre. Attends, terre. Tac, on va mettre des taches de terre par-ci par-là dans le silo. Voilà. Ah, c'est pas si mal que ça, ça va. Ça va, ça va. On va faire une entrée comme ça. Déjà. Tu me diras, Rome, quand tu voudras quitter, enfin, tu sais, valider et quitter le menu, comme ça, je viendrai voir à ce moment-là. Alors, attends, je vais juste enlever tout ça, là. On va enlever toute cette broussaille, là, un petit peu, là. Moi, j'aime bien les fermes un peu où il y a de la terre, où il y a que ce soit pas tout bétonné. Ah oui, il faut que ça soit, voilà. C'est plus mon style de ferme. Je préfère comme ça. Là, qui n'aime pas ou qui trouve que c'est... Mais moi, j'aime bien. Comme sur le domaine de barrière, même la ferme côtoise, il y a de la terre, quoi. C'est des fermes anciennes, donc automatiquement... J'aime bien ce style. Voilà, c'est... Voilà, il y a des coins, souvent, c'est mal... Ouais, mal tendu, où il y a... Il reste des... Ça va, c'est pas si mal. Il faudrait que je fasse le chemin, par contre, sur le côté, là. Je vais le faire tout de suite, peindre en terre. On va faire un petit passage comme ça. Voilà. J'y vais un peu à l'aveugle, j'avoue. Enfin, à l'aveugle. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Par contre, ces buissons, ils sont dégueulasses. Là. Alors, ça, c'est bon. Je les enlève, ces buissons. Ensuite. On a comme un truc. Je sais pas cette texture, je sais pas si elle est top, cette texture un peu. Pas formidable, non. Si, c'est quand même. Attends, pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas cette texture. Ah, sur le petit chemin. Oui, ça fait un peu boueux. Mais par contre, tu peux peut-être en mettre par-ci par-là sur le chemin. Faire un chemin peut-être un peu couleur terre, mais mettre un peu de, tu vois, de petites bouts. De temps par en contre, temps, le chemin il penche un peu, mais bon. Ouais, bah ça c'est pas grave. Hein. Les chemins, ils sont jamais, tu sais, des fois ils sont jamais très. Jamais très droit, je vais mettre un peu d'herbe là. Attends, j'espère que j'en mets pas trop de l'autre côté dans ce moment. Là, attends, on va mettre l'herbe le bord ici. Voilà. Cette petite plante là, impeccable. Ah oui, il y a des petites plantes jaunes et tout. Là. Pas mal, c'est beau ça. Voilà. Et comme ça aussi. Tac, tac, tac. Je vais mettre donc ça. Tac, tac, tac. Oh, c'est pas si mal, les gars. C'est un pas objet, si mal que ça. Salut à tous, les gars. Salut à tous. Ouais, mets un arbre 2 le long du bunker. Ouais, c'est ce que j'avais pensé faire aussi. Alors, des arbres, comment Oula, c'est gros, ça. Ces arbres-là, moi, j'aime bien. C'est ce qui va le mieux, ça. Je pense que les arbres style peuplier... Faut pas un arbre trop gros, trop large. Ah, qu'est-ce qu'il nous a mis, Bastien? C'est quoi, ça? Ah, des oliviers. On a un olivier. Ouais, mais l'olivier... Là, ici, ça aurait pas trop... Ah, oula, ça, c'est très grand. Ça... Ah, un petit sapinou, un petit sapin. Oui, il est vraiment tout petit, celui-là. Allez, on va en mettre un là. Parce que ceux-là, ces arbres-là, si je peux en mettre un, mais je vais pas en mettre 50, je vais pas mettre tous... Je vais pas mettre les mêmes non plus, quoi. Et après, un petit... Mais j'aime bien ces buissons un peu en hauteur, comme ça, là. Je trouve ça bien. Voilà, c'est pas mal, comme ça, là. Après, j'ai les buissons aussi. Je peux mettre des petits buissons. Ouais, bah oui. Ils sont là. Ils sont là. On est à la campagne, les gars. Il y a des buissons. Là. Eh oui. Voilà. Eh oui. Là. Et là. Et là. Pas si mal que ça. Alors, je vais remettre ça comme ça. En vrai, ça va, hein, c'est propre. Hein. Moi, j'aime bien. Non, c'est joli. On a le petit chemin sur le côté pour passer. Ah, ça a du charme d'avoir ajouté un peu de verdure. Ouais, je crains pas. Bon, c'est pas. Ouais, par contre, ces herbes-là, les gars, j'arriverai jamais à les enlever. Je suis dégoûté. Enfin, il faudra enlever la plateforme pour. Ça, sinon, c'est moi qui fais le con. Mais... Sinon, il faut retirer la plateforme. Et... Ouais, on verra peut-être pour le faire aussi. Voilà, si le chemin penche un peu, mais c'est pas grave. C'est ici, c'est vrai que c'est un peu fouillis, là, j'avoue. C'est un peu le bordel, là. C'est un petit peu le bordel dans cette zone là. Peindre. Tac. Enlever ces gros buissons là.
Tac. Attends. Voilà, on va y mettre à nu comme ça, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Ce sera un petit peu plus simple, un peu moins fouillis. J'ai bien envie de laisser par contre cette herbe sur le côté, je trouve ça bien. Alors ensuite. Là, au moins, on a le chemin. Qu'est-ce qu'on a ? Par contre, ici, il y a un sacré dénivelé. Attends. Sculpté. Voilà. Ah, on a pas de. Ah mince, on a même pas de peuplier sur la partie. Si, t'as des petits. Des petits peupliers, si. Bah, si, on a bien des peupliers. Non, c'est quoi ? C'est des bouleaux ? Non, pas les bouleaux, des peupliers. On avait, tu sais, des grands arbres. Bah, ils y sont pas. C'est pas ceux de base, on les a bien. Ceux de base, non, je les vois pas, non. Je les ai pas du tout, il y en a pas. Ouais, je... Et non. Attends. Alors, merde, hein, c'est tout, je vais changer. On met un peu de texture bout des animaux là. C'est par là. Voilà. Chiotte. Mince. C'est vrai que la texture pierre là, je la crains pas cette texture, mettre par-ci par-là pour mettre genre on a remblayé un trou avec des pierres, vous voyez. Bon bah c'est je tout, crains je pas l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Non, c'est top. On a mis des pierres pour reboucher des trous de, où il y a des flaques d'eau, des choses comme ça, vous voyez. Ah ouais, c'est clair. Sympa. C'est ce qu'on fait, soit mettre des tuiles ou des pierres. Je vais changer mon truc alors. Tu vas changer quoi ? Bah, je vais changer ma façon. Je voulais mettre des peupliers le long de ce que j'ai fait pour donner du charme, un peu de cachet à l'entrée de la ferme. Et là, regardez les gars, je peux pas enlever de la. J'essaye de peindre par-dessus, mais il n'y a pas moyen. La station dessus, enfin la station de lavage. Bon, bah, c'est tout, on va mettre ça, on va mettre des boulots. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas le choix. Ah, c'est pas si mal, ça s'embellit. Hein. Et des petites palettes de boudin, des petites palettes de boudin en déco. Ah, pour le silo ? Oui, pour le silo, ouais. Attends, on va regarder. Décoration. Autre, j'imagine. Bon, bah, c'est tout. Ah, il y a des machins de pub, Valtra, Styr et tout. Il a mis ses panneaux, je sais pas. Ok, alors attends, c'est où ? C'est dans quoi ? Ah, il y a des voitures, il y a plein de trucs de déco que moi je sais pas non. Attends, il a mis 50 panneaux là, il y a tous les panneaux possibles et imaginables. Alors attends, oui, alors ça doit être là. Attends, ça c'est les poubelles. C'est pas ça. 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 Ah, c'est ça là. Voilà. Objet, je chevauche un autre. Ok, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Je le mettrai bien à l'entrée là. J'espère que ça va pas tout me foutre en l'air par contre. Non, ça, tu peux placer, ça fera rien. Ça fera rien ça ? Ça te soulève pas, non, ça soulève pas le terrain. Attends, déjà que j'arrive à. Une voiture, oui, mais pas les sacs. Pas les... Voilà, impeccable. Une palette là, puis on va mettre une autre le bord ici là. Voilà. Impeccable, très bonne idée. On mettrait peut-être pas un ou deux bidons par-ci par-là, tiens. Les bidons qui traîneraient là, tiens. Voilà. Genre, on met un peu des bidons par-ci. Moi, j'aime bien les vieux bidons comme ça, genre un peu derrière là, laisser un peu à l'abandon. Ouais. Je trouve ça bien, pardon. Bah, c'est vivant, ça fait du vivant. Ouais, ça fait vivant parce qu'on a toujours des vieux bidons qui traînent, des choses comme ça. Bah oui, il y a toujours des trucs dans les fermes, toujours un côté où t'as toujours des. Voilà. Très bien, notre là, peut-être. Ah, donc j'en chevauche un autre, ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas mal, les gars, c'est pas mal, ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en déco qu'on pourrait mettre C'est quoi ce truc? Ah non, c'est ok, d'accord. Plein de panneaux. Truc de Noël, c'est fini. Noël, les gars, c'est fini. Ah oui, il y a des tronçonneuses. Bon, ça. Ah oui, c'est pas. Ah oui, c'est vieux bidon aussi, c'est pas mal. Bah, tu viendras voir, Jérém, ce que Oula, j'ai déjà là, fait. Par contre, ça m'a fait un truc. Ok, j'arrive. Là. Attention, surprise, les gars. Attends, je vais regarder déjà ce que j'ai fait là. Pas si mal. Ouais, c'est bien. Ouais, il est bien là, il est bien placé. Il est parfait. Alors, oh, ça prend forme. Ok. Ah alors, oui. Voilà, ça c'est notre entrée de ferme. Pas mal.
Et je voulais faire de l'autre côté, et je voulais en mettre de l'autre côté pour faire une allée de chaque côté de boulot. Est-ce que ça fait pas trop chargé ou est-ce que on laisse comme ça d'un côté? Ou est-ce qu'on laisse que d'un côté et là on peut-être met que d'un pas côté de... suffirait peut-être, non? Attends. Ouais, je pense. Attends, ouais, je vais prendre un peu d'altitude pour voir de ouais. du haut. Oui. Ah, c'est pas mal. Faudrait juste qu'on mette un beau portail devant. Oui, voilà. J'avais et après ici, de... l'idéal, après là où t'as le tracteur, serait peut-être qu'on remette des bâtiments, des choses comme ça. Ben, voilà, je pense. Il faudrait bien remettre un bâtiment perpendiculaire ou parallèle à la route. Le long. Ouais. Ou par ouais, parallèle à la route de dos. Ou le long, oui. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Histoire de fermer un petit peu la ferme avec un bâtiment. Rajoute des, on nous dit, ouais. Oui, oui, peut-être en mettre... Alors, pas bête, mais remettre une haie de l'autre côté. Plutôt que de remettre une allée de boulot. Bah vas-y, tu sais, ouais, c'est... ouais. On la paye, la haie, ou pas? Ou c'est compris dans le mode avec le mode Attends, je te dis tout de suite. Oui, remettre plutôt une haie plutôt que... Ouais, c'est ouais. pas bête. Attends, je vais voir ça. On va remettre quelque chose de plus haut. Ah, le silo, j'aime bien, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas mal. Alors, attends. On va mettre... je vais voir ce que ça fait. Ça a bien ça de la gueule, c'est pas mal. Hein. Non, on la paye pas. Bon, bah vas-y. Ouais, ça sera... non, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, on se fait plaisir, ça sera pas mal. Ça sera pas comme mal sur la ferme tout. Des Romains. Ah ouais, tu fais un peu... ça fait un peu comme sur ta ferme, apparemment, c'est ça? Bah, j'ai fait un peu l'entrée comme sur ma ferme, ouais. Ouais, non, mais c'est bien, non, c'est top, hein. Ça me va. Hein. Là, ça allez, fait une belle allée, là, on remarque, là, c'est allez, pas mal. Allez, juste un petit peu plus large. Alors, attends, je vais la coller. Bon, au moins, peu... on peut passer avec les machines sans souci. Ah, voilà. Là, et là, Brigitte et Denis, c'est bon. Là, est mise. Voilà. Impeccable. Là, ici, il y a ce coin-là. Limite, ici, et je sais que Bastien, mais je sais pas comment on fait. Et Bastien, il a mis un étang. Ici, là, dans cette zone-là, moi, j'y verrais bien. Oui. Ouais, sorte, un petit oui, oui. plan d'eau, un truc à la con. Eh ben, ouais, entre les arbres. Ici, regarde. Tu sais, là. Là. Attends, t'es où je... Là où tu voles. Là où tu, bah, là où tu voles. Là où oui. tu volais. Ouais, tu là, vois, ici, là. Entre les... Voilà, ici, là. Ici. Ouais, mais alors attends, mais je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Il l'a mis sur sa ferme, mais je sais pas mais où ça c'est. Ça serait trop stylé là, entre les arbres, on les laisse, ouais, mais on met le plan d'eau attends, au milieu c'est... des arbres. C'est dans et là, quoi ça aussi génial. Ah, je vois qu'il y a un grand portail. Attends, je regarde juste le portail. Yes, ouais. Attends, ah oui, je serais pas mal ce portail là aussi. Ouais. Et je voulais remettre ça, attends, je voulais remettre un arbuste. Il est pas trop gros le portail là. Bon. Bah, les gars, vous en pensez quoi du portail? On va voir. Si on mettrait parallèle à la route, pourquoi pas? Ou on met un truc qui ouvre ou un truc qui ouvre en deux qui... de volets, enfin deux battants. En deux volets, en deux battants. Peut-être attends, deux battants. Changer un peu. Ah attends, y a ça, tu crois que tu vas à Auschwitz là? C'est le même portail qu'à Auschwitz ce truc là. Non mais c'est vrai, ça me fait alors... trop chelou. Ouais, j'ai remis un petit. Ouais. Après ils sont, c'est joli mais oui, ouais, ça, fait un peu, je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est quoi? Bah les portails là, ça fait un peu, ça fait penser à. Eh ben celui-là l'entrée il est pas mal. La chute c'est pareil hein, donc. Il est pas mal celui-là. Lequel? Celui que t'as là en vert, automatique. Ah le gros là. C'est un peu gros peut-être. Bah non après il serait bien hein, mais. Non c'est pas mal. Attends je regarde s'il n'y en a pas d'autres. T'as de la gueule en tout cas là quand tu rentres hop t'as. Ah la attends il y en a d'autres là sans... dans coulissant. La ville, là. Ah j'en ai un comme ça coulissant gris il est non. mieux peut-être. Alors, attends. Ah oui ça fait l'entrée d'un domaine. Ouais je préfère. Ça serait pas mal. Il est pas mal en effet. En plus, il fait pile poil la largeur. Et... Par contre, ce qu'il y a, c'est que ouais, je suis obligé de le mettre parallèle à la route. Quoi. Je peux pas le mettre. Ah bah oui. Par contre, l'entrée. Ah, mais c'est une petite entrée, j'ai l'impression, non? L'entrée, elle est pas large. Je faisais juste les deux trucs entre ouais. les deux piliers. Ouais. Bah sinon, on met le. le portail vert là, qui était pas attends, mal. Attends, je regarde ce qu'il y a. J'ai entre collision. D'accord. Ça c'est des haies. Ou alors il y a un portail, mais bon, oh, ça c'est tout petit. Après, faut qu'on passe avec les machines, hein, faut pas oublier. Ah, attends, j'ai celui-là en portail coulissant aussi. Il est pas mal aussi celui-là. Ah, bah ça c'est le portail que j'ai sur ma ferme comtoise. Peut-être. Oui. Ah, celui-là il est tout peine d'arche par contre, peut-être. Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est trop petit. Je regarde un peu tout ce qu'on a, les gars. Ouais. De rien rater. Bah, celui-là il est pas mal. Il fait un peu rouillé, ouais. mais il est pas non, mal, mais bon. Est-ce qu'il a eu son plan d'eau, lui, dans décoration? Ouais, regarde si tu trouves... Ah non, j'ai regardé dans Outre, des fois. J'avoue, on n'a pas regardé l'ouvrier aussi.
Je sais pas s'il a géré ou pas. Il s'est payé son salaire, celui-là. Ouais, j'ai vu que c'était. C'est pour ça que j'ai vu le salaire là, débité, mais j'espère Voilà. qu'il a bien Il bossé. y a le salaire qui est débité, Ça, c'est mais. trop Il y a petit. même des voitures de police. Oh, c'est excellent. Bah, c'est vrai qu'après, il faut mettre un portail coulissant, on n'aura jamais un portail battant aussi grand. Ouais, bah ouais, c'est un peu. Ouais. Attends, je vais revoir le gros là que j'avais vu en tout début, celui-là. Il y a des trucs Il est sympas. balèze, mais il fait la largeur. Quand il est balèze, hein. Il est costaud. Il est haut, hein. Il est où? Je trouve énorme, moi. Je Ah, trouve qu'il fait pas. ouais. Ah, il dénature, ouais, j'avoue. Je Je trouve qu'il l'avais vu quand dénature tu la l'as. ferme. Ouais, non, il faut mettre. Ouais, il faut trouver autre chose. Ah, trouver autre chose, trouver autre chose. T'es gentil, mais. Et. Non, mais ce que t'avais tout à l'heure, là, le portail avec Ça, le. c'est. L'arceau, là, au-dessus. Ouais, l'arceau au-dessus. Ouais, mais je. Ouais. Celui-là, là? Enfin, attends. Alors, le vert est trop gros. Attends, j'avance un peu le live. C'est con, c'est pas marqué en français. Et c'est quoi la différence entre les deux? Celui-là est plus gros? Ben, je sais pas. Ah, Hold. Non, c'est c'est les marqué mêmes, quoi hein. sur c'est marqué quoi sur l'arceau? Oh là, bah, me demande pas. C'est du polonais ou je sais pas trop quoi. Je sais pas. Vous en pensez quoi, les gars? Ou alors, on met juste sans portail, on met juste une petite entrée comme ça. Mais bon, passer. Genre, si tu passes avec une moissonneuse et tout, tu passes en hauteur dessous là? Bonne question. Ouais, je pense que. Attends, je regarde les autres portails là. Si. Oula! Il n'y a pas un Oh, il y autre a un big portail portail là. 20 oui. mètres. Ah, et ben plus un comme ça, moi j'aurais vu. Faudrait Oui, je suis celui-là pas. là. C'est vrai qu'avec l'arceau, je Oula, suis oula, plus. doucement, j'ai dit douce. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il correspond Celui-là, plus il est pas mal, déjà. hein. Ouais. Attends, ça c'est quoi? Attends, je regarde, hein. Ouais, vas-y. Eh ben, j'y arrive pas. Pourquoi ça veut pas? Bon, bref. Attends. Oh. Ah, je le verrais bien comme ça celui-là. Ah. Ah, terrain trop pentu, c'est une blague. Ah merde. Bon. Ah bon? Chelou ça. Attends. Trop pentu. Ah, terrain trop pentu. Eh ben je peux peut-être réduire les barrières. Et Non, du mais coup attends, sinon. Il est où le verre de ma ferme comtoise? trop pentu. Non mais il déconne, c'est plat. Bah, pas assez apparemment. Ah bon? Ouais. Attends, je regarde. Non, ça c'est les barrières. Il est où le portail vert là de ma ferme comtoise? Là, c'est pas le dernier, il est trop gros. Il est où ce bazar là? Ah, c'est celui-là. Là, ça donnait quoi celui-là? T'es un trop pentu. Bah, attends, mais j'ai réussi à le placer. Ça me mettait pas ça tout à Oh, l'heure. mais ouais, non, mais non, il déconne. Il Je déconne. pense qu'il faut refaire un peu le niveau, peut-être. Ah, peut-être remettre un peu de niveau, ouais. Attends, c'est trop pentu Aplanir. comment? Faut Ah là aplanir. ça redescend légèrement. Attends, Ah oui, attends, ah bah attends. sinon, vous remontez un petit chouïa alors. Je vais le faire. Décoration. Comment tu. Paysagisme. Tac. Peut-être que si on veut faire le plan d'eau, peut-être qu'il faut que je fasse du terraforming. C'est creuser dans le sol. Ouais. Faire un trou. Et ensuite, on place le plan d'eau, je pense. Voilà, là je remonte la terre. Oula, par contre ça fait remonter un peu sur la route. Mais. Au Moi, moins j'ai ça un. remonte la terre. On avait des taches au sol aussi dans les. Dans autres. Pour mettre dans les silos. Des traces de pneus aussi. Ah oui. Pas mal ça remarque. Et Ouais. après. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas mal comme ça. Alors attends, là je vais réessayer. Là j'ai renivelé le terrain à hauteur. Alors, Tout est à la même réessaye hauteur, voir. à peu près. Ouais. Bon, à peu près ça ressemble. Oui, Ouais, bah je sais après, pas, on va voir. Attends, faut que je bah, m'enlève de c'était là. au naturel. Alors, attends. Salut ma ferme comtoise, mets un coup de niveau, portail coulissant. Je Ah, regarde un bah peu vos alors. messages, les gars. Le portail que vous devez mettre côté cour de ferme. Attends, le portail que vous deviez le Alors. mettre côté cour de la ferme, ça vous laisse de la place pour vous garer dans votre belle allée. Je comprends pas. Creuse une fosse pour l'étang et cache le bord avec la rive. En hiver, les surfaces glacées sont dangereuses. Alors, creuse une fosse pour l'étang. Ah, il faut creuser, ok. Donc, faut que je fasse Ah, un tu l'as trou. trouvé le truc? Oui, c'est dans décoration autre. Ok, Donc, bah j'ai impeccable. des plans d'eau cylindriques, rectangulaires, enfin, il y en a plein. Mais il faut que je fasse un trou avant de pouvoir. Donc, il y a 15 Eh ben, mètres, prends la pelle. il y a 50 mètres et il Oula! y a 30 mètres. Bon, je pense que 15 mètres, déjà, ce Ça sera déjà pas mal. serait déjà pas mal, je pense. Ouais. T'es un trop pentu encore, c'est une blague! Non, mais il déconne Non, mais c'est là. que je suis peut-être. Non. J'ai pas fait mon niveau comme il faut, je pense. Peut-être de ma faute. Mais non, mais c'est une blague, attends. Alors, on raplanit, mais.
Ah, c'est déjà ce que j'ai fait, non? Bizarre ça. Alors faut mieux que je fasse ça qu'après j'enlève le... J'enlève après la terre qui va sur la route, c'est que je voulais... Voilà. Ouais. C'est bon, c'est plat là, non? Ah bon Dieu, on va peut-être y arriver avec ça là. On va mettre 3 heures à placer un portail, c'est formidable. Ouais, c'est chelou quand même, parce que... Je sais pas non plus, il n'y a pas de surface... non plus trop inclinable, enfin c'est bizarre. Alors là, nous sommes des objets en 3 collisions avec un autre. Là, je peux, mais pas vraiment. C'est chaud ça, mais. Ou alors, si tu veux. Bah oui, non, c'est chiant parce que sinon, faut... je peux reculer encore une barrière si tu veux. Je peux encore. Attends, mais ce un portail là, il a l'air de. Mais c'est vrai qu'il est énorme, je trouve, le portail, mais bon. Je vais le mettre dans ce sens là. Mais coucou mon Vader. Salut Vader. Je peux alors, je mets celui-là. Hein. Et... Oui, bah oui, sinon c'est celui-là. Pas le choix. Mais... Je trouve qu'il dénature. C'est vrai qu'il fait. Ouais, il fait gros quoi. Au pire, on met rien pour le moment. Au pire, on met rien pour le moment. Non, on met rien, ouais. On verra après, les gars, parce que là, j'avoue. On verra comment on fait sur le côté, là-bas. Yes, exactement. Bon, on verra déjà, voilà. Du coup, là, tu fais quoi, là? Bah, je voudrais faire mon trou. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Ouais, bah, je vais faire ton trou. Bon, bah. Bon, bah, je vais faire mon trou. Rip, Romagri, il fait son trou. Yes, c'est clair, je fais mon trou. Attends. Avec les barrières, c'est peut-être les barrières qui font bugger, peut-être qu'elles sont trop près, peut-être que... Je sais que les barrières, je les ai mis vraiment... Attends, après, je pouvais un peu pas... là. Je pouvais pas les mettre plus loin, donc je suis vraiment à l'extrême, après ça me les prenait plus. Ah oui. Voilà. Peindre, ah, attends. Là, je vais juste y mettre un petit coup là aussi de peinture, là. Mettre propre un peu, là. Hop. Tu me diras, Rome, quand t'auras... Ouais. Voilà, on va y remettre un peu propre quand même. L'arbre, on va le laisser, parce qu'il fait partie de la... De la ferme et tout. Voilà, cette partie-là, on va la laisser un peu en broussaille, mais je pense qu'on y mettra un bâtiment. Bon, attends, je vais voir si je peux placer. Ouais, mais là, au moins, déjà, on peut passer... Ça, ça fait moche. J'ai trop envie, Rome, de le démolir, ce truc. De quoi? Attends, je regarde ton avis. De quoi tu veux démolir? Oui, là... tu le retires. Oui, retire-le, on le remet. Ouais. Et attends, je vais le remettre. C'est tout. On se rembourse. Attends, je vais. Bah là, ouais, ça m'a 499 euros. 495. 495, pardon. Ouais. Voilà. Oui, bah, comme ça, voilà. Et on le remet. Voilà, et là, du coup, je peux le remettre. Ah oui. Et on fera la différence. Production, bâtiment. Outils, non, c'est quoi? Ouais, c'est outils, je me rappelle même plus. C'est dans quoi que je l'avais vu? Non, c'était pas dans outils. Comme ça, il y a la grosse station de lavage de. Ouais. D'Alex the Prodil, là, mais ça fait. Ça fait gros, non, je l'avais pas trouvé là, je l'ai vitré dans quoi? Conteneur, non? C'était pas dans conteneur, il me semble, avec les. Je sais plus. Et comment, les karchers et tout, des choses comme ça. Je regarde, non. Outils, peut-être. Ou dans outils? C'est pas là que j'étais tout à l'heure, non? Je sais plus. Non, c'est pas outil, dans celle où j'étais. C'était corps de ferme, non? C'était pas corps de ferme. Non, c'était je crois que c'était un truc qui avait rien à voir avec. Bon, mon Jérém, tu viens de revoir ce que j'ai fait. Ah, est-ce que t'es content de toi? Oui, après, je pense qu'on doit remettre. Oui, si, tu vas voir, c'est bien, mais je pense qu'on doit faire un petit peu de déco encore autour. Ok, déjà... alors attends, j'essaye de trouver mon truc là, mais ouais. Bon, je vais y voir après parce que. Oh, ça rend fou ça, je sais plus dans quelle catégorie. Les gars, dans quelle catégorie il était? Tu me diras ce que t'en penses. Alors attention, attends, je suis dans la broussaille. On peut faire plus gros, ou est-ce que ça te va cette dimension là? Non, voilà. Ah, c'est pas mal, ça va. C'est pas mal? Moi, je trouve pas mal. Ouais? Ouais. Juste qu'on débroussaille peut-être un peu autour pour qu'on le voie, parce que c'est vrai qu'on le voit pas forcément. Oui, voilà, faudra juste qu'on débroussaille un peu. Moi j'aime mais... bien, les gars, vous en pensez quoi dans le chat? Dites, ouais. En vrai, ça va. Hein. Prends peut-être un petit peu d'altitude. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Il est pas mal. Moi je le trouve bien. Et on débroussaille un petit peu, et puis on s'en fera un peu de déco autour, ça peut être sympa. Ouais. Mettre un petit cabanon, tu sais, pas oui, loin. Oui. Un truc comme ça. Ouais. Ah non, j'aime bien.
J'aime bien, c'est On a... validé. Oui, on arrondira, oui, c'est juste pour l'instant c'est du brut, mais on arrondira un petit peu autour, ouais, vous Moi, je veux inquiétez pas. juste trouver ma foutue cabane. Mais c'est pas C'était pas trop dans de mal. la déco, c'était pas possible, c'était dans quoi? Non, mais ça commence à avoir de la gueule. Point de vente. Alors, t'avais été, alors, je sais plus, attends, c'est Ah non, mais bon, j'avais. C'était pas du tout dans la catégorie. Dans une catégorie non! que. Non, tu m'as. Bon, c'est dans bâtiment, c'est sûr, dans un bris, c'est pas dans un bris Dans quand même. stylo? T'as regardé dans stylo? Et il me semble que j'ai regardé, mais je crois que je vais tous les refaire. Est-ce que vous savez où c'est? Peut-être déco. Ah, Abri, il attends. me semble. Attends, on y est dans abri, donc on va regarder. Mais il me Ah, semble que bon, c'est une attends. catégorie qui a rien à voir avec le truc. Oui. C'est la santé aussi. Les gars, si vous le voyez, vous me le dites. Il y a beaucoup d'abris. Bah écoute, c'est pas dans silo déjà. Ah, c'est là. Abri, c'est ça? Paxtervio, station de lavage. Ouais, donc c'est bien dans l'abri, merci. Ah, Paxtervio, voilà. il a un pack à son nom, lui. C'est fou, Il a ça. son pack. Il a son pack. Il se Alors, fait par plaisir. contre, il y a un peu de terre où je vais la coller là. Attention, il y a de la terre qui passe à travers. 1000 Eh euros, il faudra ben. juste qu'on se reverse 500 balles, du coup, vu qu'on Ouais, a ben, on va le... je vais le faire après. 1005 euros. Là, c'est bien où tu l'avais mise. Pas mal, là. Voilà. Oh, merde, Bah, il y a de c'est la plus terre qui est propre. remontée, c'est une blague. Ah, ouais. Bon, Ah, bah, là, c'est il a pas un peu grave. plus. Oui, oh, c'est pas... ça fait pas moche. Non, ça fait juste... Franchement. non, ça fait justement un peu de terre au milieu, Ouais, genre justement, oui, de bah, la genre, voilà, saleté, de c'est la ce terre qui des restait. véhicules qu'on a enlevé. Voilà. Pas mal, Ouais, non, franchement, pas c'est mal. parfait. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le portail est trop moderne. Ouais, ça va pas le portail. Non, le portail, on le met. Pour l'instant, on va réfléchir. Mais sinon, voilà, on remettrait un petit bâtiment pour refermer un peu la ferme vue de la route. Ouais. Mais sinon, ça fait stylé, là, quand on arrive. Ouais, j'aime bien. Il faudrait Hop, juste on rentre comme qu'on ça. débroussaille là, peut-être. Attends. Ouais. Paysagisme, peindre. Et c'est joli. C'est Si on mettait de joli. la texture, on met quoi comme texture? Terre, peut-être, déjà pour commencer. Alors attends. Autour là. On voyait un peu le. Un petit peu l'étang quand même. Bah Bon, ouais. je vais enlever ce tas de fumier aussi, ce fumier partout. Attends, je vais leur tirer le truc là. Bon, bah regarde, le fumier, je l'enlève avec le mode. Ah oui, avec le mode, Ouais, tant ok. pis, on l'a perdu, mais c'est pas grave, au moins ce Ouais, sera bon, on en a propre. pas mal déjà. Oui, on a profité un peu du truc. Ouais, et celui-là, voilà, celui-là, je l'ai retiré. Déjà, on est tranquille. Ça peut être plus Voilà. propre là. Celui-là, je le retire. Allez, voir sur la... Faudrait que j'aille voir sur la ferme à Stervio comment il a fait la déco autour. Moi, je trouve ça bien là de mélanger un peu. Bah, elle Attends. commence à avoir de la gueule, hein, notre ferme. Hein. Elle est pas si mal que ça. Hein. Ça va, les gars. Ça commence à. Bon, fallait Merci Eric. bien. Bah ouais, bah il faut bien, voilà. Non, c'est bien. Les silos nickel. Le Parfait. silo impeccable. Impeccable. Non, non, franchement, c'est bien. Ça Bah, prend c'est pas forme. trop gros. On passe un petit chemin pour aller à l'étang. Oui. C'est pas mal là comme ça. Oui, voilà, on voit un peu mieux là. Ah bah ça y est, bon, c'est bon, bah nickel, parfait. Bah, faut rencontrer un petit cabanon pas loin pour voilà. Non, c'est chouette. Je crains pas. Par contre, là, il faudrait qu'on y clôture. Après, peut-être se mettre une petite clôture basse comme t'as fait là, peut-être, non? Comme t'as fait Ouais, peut-être, oui. pour fermer. Ouais, peut-être pour fermer, ouais. De là, et après refaire la même clôture qui rejoint le Après, bâtiment là-bas. je remettrai peut-être des nénuphars là dans le bassin. Je crois qu'on peut, et je crois qu'il en T'en a. as de ça? Ouais, il me semble. Ça, faudrait qu'on check. Un petit buisson. Tac. Attends, je vais juste regarder la cabane. Est-ce qu'on est en cabane? En cabane de déco. Mais un banc à côté des. Ah ouais, un banc. Oui, carrément. Un petit banc, ouais, c'est bien. Ouais. Ah, attends, faut trouver le petit banc aussi. Pour flâner. Là, il y a des abribus, mais ça fait un peu trop. Histoire Là, il y dans a des petites les... maisons. Ah, une petite cabane comme ça, un peu. Ah, comme ça, la attends. cabane du. Regarde, dis-moi ce que t'en penses. Oui, je regarde. Ouais, des petites comme ça, voilà, en bois, un truc en bois, ou voilà. Très En bien vieux ça. bois, j'aime bien. Ouais, c'est joli ça. En plus, avec la verdure, qui est par là, ou un petit Ouais, peu... ici, un peu là. Ouais, voilà, J'espère... Attends, je pas très l'appelle, loin. j'espère que ça va pas tout faire déconner.
Oh, putain, si ça fait remonter un peu l'herbe. Ah bah c'est pas plus mal. De toute façon, faut que je Bon, j'aurais dû aplanir aussi, c'est de ma faute, j'ai pas aplani. Non mais c'est pas plus mal, faut que j'arrondisse aussi un petit peu les bords de l'étang. Non mais je trouve pas, j'ai pas de banc, attends, j'ai pas été assez loin. Ah là. Dans déco. Ah, attends, il faut que j'aille dans autre. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un banc qui des... traîne. J'avais vu des nénuphars qui traînaient aussi. Limite une petite chaise longue. Ou une petite chaise longue. Ouais, ah, il y a un bateau échoué. Ah ben un petit bateau. Petit bateau, oh mon bateau. Un peu échoué là, comme ça, un peu dans les broussailles. Bah oui. Dire que c'était un bassin avant de... Voilà, c'est pas mal. Et ouais. Ouais, c'est stylé. On peut mettre la cabane, les chiottes, là, si on veut. Si on veut. C'est juste sanitaire, c'est clair. Il y a les tongs, il y a le parasol. Le parasol, c'est peut-être trop, non. Du coup, j'irai plus me baigner, du coup. Le banc, t'en as un dans décoration, dans autre. Bah, j'y suis. Attends, parce que j'ai peut-être pas été assez loin. Un petit banc en bois. Ok, presque au début. Enfin, au début. Si, au début. Ah ouais. Attends, je l'ai pas trouvé. Attends, t'es sûr que c'est au début, je l'ai pas trouvé. Un petit banc tout en bois. Attends, je regarde. Ah si, j'en ai un là, c'est bon. C'est pas mal celui-là. Ils sont où les nénuphars? Oh, je suis passé devant un côté là. Les gars, on va en mettre un là. Voilà. Alors, allez, voilà. Remets les barrières blanches le long de la route. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais regarder après, les gars. Ouais, tâche au sol. Là, je vais mettre un petit banc là. Voilà. C'est où sans rien? C'est pas si mal que ça. Bon, par contre, il faudrait juste que j'enlève ces broussailles devant là. Ça fait pas propre, ça. Ça fait pas propre. Ça, c'est quoi? Ah, eau naturelle de l'étang. Ah, eau naturelle. Alors, une creuse, une fosse. Ah bon, c'en est une autre, ça? Ah, c'est autre chose, ça. Ok, c'est des étangs plus. Ok. Plus des marais, là. Un peu d'herbe autour, là. C'était un peu couleur marais, là. Ah, ouais. Mmh. Voilà, attends. C'est pas mal comme ça. Ah, bah, je croyais que. Donc, j'espère qu'on va pouvoir baisser. Attends, je vais essayer, là. J'espère que j'ai pas fait de la merde là, en plaçant le truc. Il semblait qu'il avait des nénuphars. Ah non, c'est bon, je peux rebaisser. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je sais pas où ils sont. Là, il me semblait qu'il en avait mis, il en a mis lui, non, sur sa. Sur eh sa oui, ferme. Il me semble, dans son étang, ouais. Il a un petit étang et je sais qu'il en a attends, mis. Attends, c'est quelle clôture que t'as pris? C'est celle-là, non? Ouais, celle-là. Ouais, mais est-ce que tu vas pouvoir le long de la route parce que ça va peut-être mettre que c'est en collision ou... Ouais, mais attends, je. J'agrandis les chars. Hein? Ah, l'enjeu d'autre. Ah, non. Bah, c'est pas grave, je vais me remettre un peu ici, on va dire. Mm. Tant pis, je démarre de plus loin, c'est pas bien grave. Ouais, bah oui. Du coup, t'es obligé. Distance entre collision bon. Avec un autre, mais c'est une blague. Voilà, herbe grasse. Bah, attends, pourquoi là. Ah, là, je peux. Voilà, herbe grasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça me dit que c'est la route qui fait ça. Ah, ouais, attends, c'est la route. Bah, au pire, je vais attaquer là, c'est pas grave. Voilà, tant pis. Attaquer là, les gars. On va essayer d'être pas à peu près parallèle à la route. Alors attends, je vais essayer de mettre ça dans l'eau. Voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas si mal comme ça. Et là, du coup, je retire là-bas. Ah non, je peux pas. Donc, c'est pas encore ça. Parallèle au chemin. Pas mal comme ça. Ouais, c'est super joli le petit coin là. Ah, le petit coin est propre. Hein. Ouais, et puis là ça referme bien la propriété, c'est ouais, parfait. J'avoue, c'est. Non, c'est bien les gars, ça vous plaît ou quoi? Est-ce que ça vous plaît? Oui, dites-nous dans le chat parce que là on est en train de faire notre truc. Mais est-ce que vieux tracteur rouillé, il y en avait en déco les gars? Il y en a, je crois, ouais. Ouais, puis après les gars, on va pas tarder. Hein. Mm. Il est déjà 22h38. Il y avait en. Je les trouve pas du tout, enfin je lui demande où ils sont, je l'ai pas trouvé, mais je sais qu'il a des nénuphars, mais où est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être dans paysage, attends, dans plante. Mais j'ai pas regardé là. C'est quoi ça? What? C'est quoi ce ah cabane? Alors là c'est ah, ah il ça, a trouvé je beaucoup. Crois. Ouais. Attends, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah vas-y, place. C'est quoi ça? Si je mets, oh, alors, c'est si quoi, je mets ce comme truc ça, oh, tu me diras. Non mais bah il a vraiment des modes qui servent à rien. Tu diras si ça te va. Regarde, dis-moi si ça te va. Je regarde ça. Ah, il y a même les grenouilles. Ah, oui. C'est propre, bien, impeccable. Nickel. Ça te va? Ah oui, c'est propre. Hein. Eh ben voilà. Magnifique. Parfait. Magnifique. Ah, oh, j'aime parfait. Bien ce petit coin, il est joli ah, comme oui, tout. Ah oui, on a envie d'y passer les vacances.
Exact. Bon, pas si baigné, mais... Pas si baigné, mais... Non, mais le petit bateau, le tracteur ouais. Rouillé, je suppose. Mais bon, je pense qu'on y verra la semaine prochaine. On continuera un peu la déco, puis les travaux, bien sûr. Bon, ce qui est bien, c'est que déjà, on a bien... Non, c'est bien, là, c'est propre. On a mis le silo. Déjà, ça change un peu la gueule de la ferme. Ah, bah, la ferme a déjà une autre... Ouais. Est-ce que je peux prendre une photo, le mode survol, oui, hein, ouais, on va changer. C'est bien, c'est bien. Elle a déjà commencé à prendre de forme, là, la ferme. C'est parfait. Oh, c'est propre, c'est bien. Ça me plaît. Il faudra juste qu'on mette un bâtiment, tu sais, mon Jérém, qui peut bien refermer le côté là. Après, qu'il vienne soit perpendiculaire à la stabule ou à voir. Tu sais, pour vraiment refermer, qu'on ne voie pas trop la stabulation, tu vois, histoire de... Oui, oui, ça, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais sinon... Non, c'est top. Hein. Sinon, c'est chouette. Hein. Voilà. Puis on regardera plus tard, peut-être, pour... ben, on va mettre un portail à l'entrée, on regardera ce qu'on peut... J'essaie de faire quelques petites photos. Oula. Une ancienne éolienne vers l'étang... Une éolienne, tu crois, Geoffrey, que ça... Une ancienne éolienne? Je sais pas. Une petite... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, un peu en bois, un peu ancien, ouais. Ouais. Après, je remettrai des petites pierres là dans le chemin là, mettre des petits cailloux pour agrémenter la chose. Mmh. Et puis, ouais, puis voilà. Je fais quelques petites photos, peut-être que je les partagerai sur les réseaux, je verrai. Ouais, bah ouais. Bah voilà, je pense c'est propre. Mais il a refait la route. Ah, la route, le bord, ouais, il a un peu manché, mais bon, j'attends, on verra comment on fait avec l'histoire ce portail. Oui, et sinon, on y remettra comme c'est. Ou... Ah, on remettra un petit coup d'œil, on aplatira, ça reviendra normal. Voilà, ouais. Vous inquiétez pas. Non, bah c'est bien. Un petit pécule. Bon, bah impeccable. Voilà. Impeccable. C'est joli comme tout. C'est joli comme tout, c'est comme moi, c'est joli comme tout. Non, j'ai... Voilà. Ouais, bah... ouais, on a de la déco là, c'est parfait. Yes. Non, c'est top. Franchement, on aura bien avancé déjà. Puis c'était un peu de la décorer cette ferme aussi. C'est un peu le fouillis. Bah, c'est vrai que pour on verra ce que Bastien en pense et Hugo ce qu'il en pense. On demandera aux professionnels de. Voilà. Bon, nous, on n'est pas mauvais, mais c'est vrai que Bastien aime bien faire les petits étangs, les trucs comme ça. Du coup, ouais. Non, je trouve qu'on a bien géré notre petit coin étang là. Il est bien géré. Ah, le tracteur, je regarde l'ouvrier. Bah, l'ouvrier, il remet la famille. Oui, c'est impeccable. J'avais oublié celui-là. Non, c'est top. C'est top. Bon, bah écoute, attends, t'es où que je te vois quand même. Me voilà, me voici. Ah, mais de toute façon, j'ai mis le. Oui, mais de toute façon, on ne verra pas parce que j'ai mis la fin de live. Donc, la scène de la live. Donc, ça, attends, on va te voir sur le côté derrière le chat, comme ça. Voilà. Impeccable. Bon, bah les amis, merci à tous d'avoir été là. Ouais. Demain, petit live sur MudRunner dès 20h30, sera sur la chaîne secondaire. Merci à mon petit Rome d'avoir été là. Merci à toi, l'ami. Merci, mon Jérém. Encore une fois. Plaisir. Et de ton côté, qu'est-ce qui. Alors, demain, 17h, ben, l'épisode de la ferme des Roms, qui devait sortir aujourd'hui, qui sort en fin de compte que demain, à 17h. Voilà. Bel épisode bien diversifié. Impeccable. Et le live de la ferme des Roms, samedi à 16h40, à la place de vendredi soir. Voilà. Parfait, impeccable. Et moi, ça me fait penser aussi que demain, nouvelle vidéo aussi, les gars, avec le choix du nouveau tracteur au domaine de barrière. Donc, je compte sur vous pour voter en masse. C'est totalement gratuit, c'est un Stropole. Hein, donc, le lien sera en description. N'hésitez pas à voter pour le nouveau tracteur. Soit le... Voilà, vous verrez demain. D'accord. Ce sera la petite surprise demain. Je vais prendre le 1. Voilà, c'est ça. Non, voilà, deux beaux tracteurs, en tout cas, je pense qu'ils vous plairont. Donc, j'ai essayé aussi deux marques différentes, deux époques différentes. Comme ça, Parfait. C'est vous qui choisirez. Voilà. Ben sinon, bah demain, les gars, 20h30 sur MudRunner pour ceux qui voudront venir. Et puis nous, on vous dit à la prochaine, les gars. Ciao, passez une très prochaine, bonne soirée. Merci bonne à tous soirée. D'avoir été là. Et merci à tous ceux qui ont donné encore une fois. Merci à vous tous. Vous êtes les boss. À la prochaine, les gars. Ciao.